Êtes-vous prêt pour le grand voyage? Pour le grand voyage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Joachim Garraud. Joachim Garraud. Live. Salut les gothiques et bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la Cold Wave et du punk Black Side. Au sommaire de ce numéro spécial, des nouvelles du prochain live de Succès de Banshees à Paris. On ira aussi traîner du côté de Pigalle parce que j'ai des bonnes nouvelles pour vous et le prochain album studio de Cure avec pour vous les gothiques une interview exclusive de Robert Smith qui vous dévoilera tout sur sa nouvelle coiffure et présentera son nouveau blog spécial maquillage, le maquillage des yeux. Ouais. Et puis on parlera aussi de la rentrée avec Marilyn Manson, bien évidemment. Et qu'est-ce que c'est que ça? On a été pris en otage. Salut les Space Invaders, c'est une émission qui ne sera pas dédiée à la Cold Wave, je suis désolé, non. L'émission 66 sera en direct de la soucoupe californienne. Et on va parler musique, bien évidemment, avec un passionné de musique. Le sommaire de l'émission, le vrai sommaire de l'émission, c'est que on parlera tout à l'heure du remix que nous avons commencé avec Chris Willis, le I Can Lie. Je vous parlerai aussi du mashup de Cool and the Gang qui a bien avancé. Je vous emmènerai 24 heures à Burning Man, le plus gros festival aux États-Unis. J'ai un timelapse que j'ai réalisé il y a un an, incroyable. Vous allez passer une journée et une nuit à Burning Man en quelques secondes, c'est magique. Il y aura un petit making-of du clip de Geister fait dans le désert, le flow de Michel. Et puis on aura un petit reportage qui m'a été envoyé par Marc, qui habite à Strasbourg, qui m'a envoyé une petite capsule vidéo du festival Inox 2010 à Strasbourg. C'est des bons souvenirs. Mais vous savez, le début de l'émission, la partie importante, ce pourquoi vous venez tous écouter cette émission globalement, c'est que j'ai des invités un peu spéciaux, même très spéciaux. Et aujourd'hui, je reçois dans la soucoupe une légende de la musique. Je dis une légende, j'hésite pas à dire ça. Un producteur qui pourrait se vanter d'avoir été le premier à faire des remixes en France et à donner certaines idées aux maisons disques qui étaient complètement déconnectées des dance floors à l'époque. Il pourrait aussi mettre en avant le fait qu'il a été le premier à produire des émissions de radio destinées aux amoureux de la dance. Au contraire, Robert Lévy-Provençal, dit RLP, reste un garçon discret, passionné de son, de musique, de groove. Le R de RLP pourrait signifier radio, parce qu'il a un parcours qui est inégalé, débutant à RFM un samedi soir de l'année 1982 sous le pseudo de Scratcher Fou. Et depuis, il a marqué des générations de producteurs avec des émissions comme Skydance sur Skyrock, mais aussi Night Fever sur Europe 2. RLP Mix sur Radio FG et puis plus récemment cet été sur RTL2. Vous l'avez compris, mon invité aujourd'hui fait partie de la catégorie poids lourd et son parcours est exceptionnel. C'est une chance qu'il vienne le partager avec nous aujourd'hui. Mesdames et messieurs les Space Invaders, merci de faire une place dans la soucoupe pour Robert Lévy-Provençal, dit RLP. Salut! Là, tu m'as mis la pression d'entrée de jeu, là. Ah, je t'ai mis la pression d'entrée de jeu. J'ai tout de suite défini qui on allait avoir dans la soucoupe aujourd'hui. Je suis très heureux de te recevoir parmi les Space Invaders, puisque tu l'as compris, si je fais cette émission aujourd'hui, c'est un petit peu grâce à toi. Voilà, je commence tout de suite par les compliments, tu vois. On passera à autre chose ou pas parce que... Non, écoute, je te le dis franchement, les gens qui viennent dans cette émission sont des gens que j'aime, que j'apprécie. Et qui ont été des repères pour moi. Et je le dis d'emblée, pour débuter cette interview dans un climat amical et d'amour, tu m'as donné envie de faire ce métier. Aujourd'hui, si je fais une émission de stream live comme ça, c'est parce que il y a quelques années, tu faisais la même chose sur des radios. Et voilà. Donc, tu peux être fier hein, de m'avoir donné envie de faire ça, au moins, tu vois. Bon, alors, comme je sais que tu es un garçon assez timide et assez réservé, j'ai beaucoup de questions, donc je vais te faire parler un peu ce soir. Tu es d'accord? Oui, bien sûr. D'accord, donc on m'a posé beaucoup de questions, j'en ai relevé une quinzaine, 17, ça va de Jérémy, Vivien, tous les gens qui m'ont laissé ça sur le Facebook,
sur le Twitch ou sur le Skype, où là, vous n'hésitez pas à commenter en direct ici. Voilà, Robert a donné envie à pas mal d'entre nous. Voilà, tu vois, c'est pas moi qui mens. Voilà. L'émission de ouf, Night Fever sur Europe 2, très beau mur RLP. Ah, on te félicite déjà sur ton mur derrière. Oui, 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 j'ai fait mon petit mur spécial Zoom. Oui, oui, c'est sympa. Utilisé okay. Pour une interview comme ça, à distance virtuelle. Voilà, non, c'est sympa. Virtuel. Alors donc, avant de démarrer dans le flow des questions, je voulais présenter... Alors, c'est compliqué de présenter ton travail parce qu'il y a près de 40 ans de carrière et en 1 minute 40, c'est un peu compliqué. On voit derrière toi, d'ailleurs, que tu as signé plein de remixes, de prod, plus récemment des réédits, enfin... Effectivement, ton catalogue musical est très large et on a décidé de prendre 5-6 extraits mixés ensemble pour présenter un peu la griffe sonore de RLP. Ça dure 1 minute 40 et on se retrouve juste après. T'es d'accord ? Yes ! C'est parti. Alors, c'était difficile de faire une sélection. Ouais. J'espère que ça va, ça t'a plu. J'ai pas fait trop de fautes dans le mashup. Je vais te dire un truc. Quand tu m'as proposé de faire cette interview avec toi, bon, déjà, je t'avais dit que c'était un exercice dans lequel j'étais mal à l'aise. Mais tu m'as demandé de t'envoyer des archives. Et je t'ai répondu simplement, j'ai pas d'archives. J'ai remarqué. Là, franchement, voilà, là, ça me rend encore plus humble par rapport à tout ça parce que je me rends compte finalement il y a une belle carrière quoi, c'est vrai, en regardant ces images que je connais mais que j'étais incapable de te donner alors que je les ai et c'était pas un refus volontaire, c'est parce qu'en fait dans mon esprit je ne les avais pas, ces images. Et heureusement il y a la mémoire du net, un montage, donc déjà bravo et je te remercie parce que ça me fait du bien. Bon, tant ouais. Mieux. Écoute, je suis content que ça démarre bien. Alors, j'ai des questions. On va commencer par Jean-Paul, qui est de Montréal, un ancien du Collège français de Montréal, qui me dit, est-ce que tu as encore de la famille au Canada ? C'est un lycée dans lequel tu étais, un collège dans lequel tu as fait ? Oui, 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 c'était le collège où je suis resté à Montréal jusqu'à la terminale, là-bas, donc Collège français. Oui, j'ai encore de la famille. Oui, j'ai même ma fille qui est retournée à Montréal, enfin non, qui est allée à Montréal, puisqu'elle n'est pas de Montréal du tout, faire ses études là-bas. Elle est rentrée maintenant. Et j'ai encore de la famille, j'ai pas mal de cousins, et je sais qu'il y a des gens qui regardent en ce moment. D'accord. Alors, salut Montréal, salut les Canadiens. Salut. Voilà, de l'autre côté de l'Atlantique. Question de Félix, est-ce que tu as conservé tous tes vinyles ? Non. Non, ça, c'est la question qui fâche. Ah, alors, tu vois. On commence bien. Donc, Félix non. A mis le doigt sur un truc qui fâche. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a mis le doigt là où il fallait pas. Oui. Non, j'ai dû malheureusement me séparer de de toute ma collecte, quoi. Genre, il y a, je ne sais pas, 10 ou 12 000 vinyles qui sont partis dans la nature. Waouh. Pour des raisons personnelles, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on imagine bien que je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur. Ouais. Et c'est un vrai regret, un vrai regret. Vraiment, on se sépare de choses dans la vie, de biens matériels, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais m'être séparé de mes vinyles, surtout de la manière dont je l'ai fait, ouais. Voilà, c'est quelque chose. Tu regrettes aujourd'hui. Vraiment. Ah ouais, vraiment. Mais bon. Bon, ok. Question suivante.
David de Marseille, qui a adoré tes sets sur RTL2 cet été et qui demande si le rendez-vous va continuer et si oui, comment. Grosse question. Tu sais pas non plus, c'est ça. Tu t'y vas direct, c'est bien. Non, mais il n'y a pas de problème. Je prends les questions des gens, tu sais. Non, mais c'est cool. Alors, RTL2, donc cet été, effectivement, c'était des rediffs tous les soirs, mais sinon, c'est tous les vendredis de 22h à 1h. Oui. J'ai terminé ma 5e saison là-bas. J'adore travailler pour eux dans des conditions excellentes. Comme tu sais, oui. Les DJ qui font des DJ sets en radio, c'est pas forcément ce qui rapporte le plus, c'est pas forcément ce qui permet de vivre. En revanche, RTL2 m'a proposé un vrai boulot. Donc ça, c'était vraiment cool. Ils sont venus me chercher il y a maintenant plus de 5 ans. Ils avaient besoin, effectivement, ils avaient envie de faire un format un peu DJing, mais sur un format musical particulier, qui est le pop-rock. Oui. Donc, c'est quand même assez compliqué. Oui. C'est ce que j'appelle une playlist fermée, c'est-à-dire qu'il y a très, très peu de nouveautés qui sont dansables et mixables. Comme moi, je suis fan des années 70, sur ce format-là, les Doors, les Rolling Stones de l'époque. On a entendu Queen, par exemple, que tu as réédité. Oui, voilà, Queen. Ouais. Il y a des choses plus ou moins commerciales qui sont intéressantes. J'ai foncé, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool de faire ça. Là, je t'avoue que j'arrive un peu au bout de l'histoire, quoi, parce qu'il y a quoi? Il y a 150 titres. Ah oui, c'est aussi serré que ça, une playlist. Oui, c'est sûr. Bah oui, c'est-à-dire que eux ne m'imposent rien, mais ils m'imposent un format que je dois respecter et que je respecte facilement, puisque c'est un format que j'aime bien. Mais c'est vrai que je ne peux pas jouer de house, je ne peux pas jouer de soulful, je ne peux certainement pas jouer de disco. C'est simple, sur une autre radio qui s'appelle RFM, il y a du disco à la même heure. Donc oui. Je ne peux pas, ce n'est pas possible, c'est normal. Je veux dire, je conteste pas ça. Donc c'est assez limité, et au bout de 5 ans, quand on a tourné dans tous les sens 150 titres, c'est très difficile de trouver de l'inspiration. Donc, je suis en discussion avec eux. J'ai parlé avec eux hier, on en parlait aujourd'hui, pour essayer de faire bouger un peu le format. D'accord. Si je n'arrive pas à le faire bouger, je crains que je vais devoir arrêter. D'accord. Oui, ça va dépendre un peu de l'ouverture, un peu de plus de, sur une playlist c'est un peu pas, plus étendue. Ce n'est pas une histoire d'ouverture, c'est une histoire de... Non, l'ouverture, on ne peut pas l'ouvrir. Ce n'est pas possible. C'est pop-rock. Alors, je mets un peu de soul, je mets du James Brown, je mets du funk rock, tu vois, une Family Stone, des choses comme ça. Je vais chercher des choses comme ça. Je mets un peu de Philly Sound, mais c'est epsilon, c'est pas grand-chose. L'idée, c'est éventuellement de quitter le format des 3 heures, et je voudrais leur proposer en fait plus une approche, un mot que j'aime pas, qui est le mot mégamix, mais plus une approche mégamix, c'est-à-dire resserrer tout ça en 1 heure. D'accord. Et faire, voilà, avoir une approche de production différente qui, moi, va me permettre de me renouveler. D'accord. Mais si c'est pour rester sur le format des 3 heures où j'enchaîne un disque derrière l'autre, même si je quand même modestement bon travail d'enchaînement entre les morceaux, tout ce qui était rééditable, je l'ai réédité, tout ce qui était remixable, je l'ai remixé. Voilà, donc okay. Je suis un peu à la fin de tout. Bon, très bien, donc résultat dans quelques semaines. Question de François de Paris, mais tiens justement, ça fait. Tu as régulièrement produit des émissions en direct à la radio, de RFM à Europe 2 en passant par FG, Skyrock, Oui FM, Radio 7, RTL 2, RLP et la radio, est-ce que c'est une vraie histoire d'amour? Et est-ce que tu peux nous raconter comment ça a démarré un peu ces différents repères radiophoniques? C'était une nécessité en fait. Moi j'ai commencé mon DJing à Montréal, 18, 19, 20, 20 ans. Je suis arrivé à Paris et les clubs n'étaient pas prêts pour que je puisse faire ce que je veux. C'est pas du tout qu'ils n'étaient pas prêts pour moi, c'est que arriver avec ma valise de White Label, de Salsoul et de West End à Paris en 83, j'en ai vidé des pistes de danse avec ces vinyles. Donc, pour pouvoir faire mon métier, il fallait que j'aille montrer ce que je sais faire en radio. Voilà. Là, effectivement, j'avais envie de montrer qu'on pouvait rééditer, remixer. À l'époque, c'était compliqué parce que il n'y avait pas les stems, tout ça, maintenant.
Donc c'était surtout du réédit où je rejouais les intros à l'endroit, à l'envers. Je faisais des faux dubs avec une boîte à écho. Et donc je suis allé proposer ça à RFM, qui a accepté en 20 secondes. Ah oui, Donc c'est il m'a dit, dingue. OK, pas de problème, je te file 1 heure tous les samedis soirs. C'était un mec assez talentueux qui dirigeait RFM, qui est un peu l'inventeur de la FM en France, c'est Patrick Meyer. Et qui m'a dit, bon, ce que tu fais, c'est bien, etc., mais on va essayer de le rendre un peu commercial et donc de créer un concept autour. Et donc, il a créé le concept du Scratcher Fou. D'accord. Bon. C'était un pseudo qui te correspondait toi ou qui était l'émission, ça s'appelait comme ça? Non, c'était moi le Scratcher Fou. D'accord, c'est bien ce que j'ai compris dans le pseudo, Sauf effectivement. que si tu veux, moi, je lui avais fait une démo de Scratch, j'avais fait une petite routine sur Good Times à l'époque, mais de manière catastrophique, et il avait trouvé ça génial. Donc, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Non, ce que je fais, c'est pourri, je ne suis pas un scratcheur. D'accord, Donc, donc. il m'a dit, non, non, le scratcheur fou, c'est bon. Donc, j'ai trimballé ça pendant 1 an sur RFM. Alors, ouais, je faisais des réédits, je faisais des mashups, peut-être même, on peut appeler ça comme ça. Ouais. J'avais deux Revox, deux SL1200, une table de mixage. Je faisais des overdubs sur des overdubs. Enfin, bon, il n'y avait pas de multipiste. C'était 15 heures de boulot pour faire 4 minutes, quoi, tu vois. Ouais, ça Et c'est. puis je faisais quick, je crachais dessus, mais comme un. Voilà, c'était pas bon, D'accord. quoi. Et après Bon, est bon. venu Radio 7, qui est venu après RFM, donc, où Radio 7 avait un peu plus de portée, puisqu'à Radio 7, on t'a laissé plus de temps, plus de liberté. Ah, mais à Radio 7, on m'a laissé l'antenne. Oui, j'étais carrément. Tu gérais En 2 l'antenne. ans, j'ai dû faire toutes les tranches horaires. Je pense qu'au pic de mon activité là-bas, j'avais 4 heures d'émission par jour, Oui, plus d'accord. 4 heures le vendredi soir, plus 4 heures le samedi soir. Enfin bon, c'était Radio RLP à une époque. Radio 7, c'était Radio RLP, oui, c'est ce que je vois un Ouais. peu. Bah, ça tombe bien. Alors, donc, ensuite est venu Skyrock, qui s'est enchaîné derrière Radio 7, c'est ça? Et justement, Alors, j'aimerais donc qu'on fasse une petite là, pause sur vas-y. Skyrock avec j'aimerais te faire partager des petits souvenirs. Je vais essayer de retrouver ça tout de suite. Alors, attends, c'est là. Voilà, alors j'aimerais te montrer quelque chose. Alors, c'est une. Voilà, je ne sais pas si tu vas bien voir sur mon écran. C'est la jaquette d'un Sky Oui, c'est Compact. tous les jingles, Tous les etc. Et jingles et tout ça. ce qu'on appelle les plus ou moins les bandes annonces de Sky. Voilà. Alors, ça, les bandes annonces de Sky, c'était pour moi, je te dis pour moi, c'était un déclic. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, on peut mettre en son. Grâce à Alain Dorval, la voix donc de Rambo, la voix, et tout un talent de producteur qui était à Skyrock, dont tu Ah bah, faisais je vais t'en partie, parler en détail, si tu veux. et vous avez réussi à mettre vraiment quelque chose d'unique. Et moi, ça m'a vraiment donné envie de faire de la production, ce CD-là. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui regardent l'émission, je l'ai mis en download dans la Dropbox que je partage dans l'émission. Vous pouvez télécharger. Vous avez donc tous ces jingles-là que je vous invite à écouter. Écoutez la production. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Je vais en diffuser un tout petit bout que j'ai ici dans voilà, Windows Sky Compact. Alors Sky Compact, il est là. Je vais en diffuser un tout petit bout au milieu. Tiens, voilà. C'est aussi bien que la maison. Skyrock, le chant des étoiles. Voilà, donc c'est des petits sketchs, quoi. Il vous a suffi C'est d'allumer votre radio pour entendre ce son et entrer dans une nouvelle dimension. Ici, vos rêves les plus fous sont une réalité. Alors voilà, bon, alors maintenant c'est vrai que c'est un peu désuet par rapport à la radio aujourd'hui où les jingles Oui, sont très alors. courts, mais là, Oui. c'était une Alors, époque. donc, oui, excuse-moi, je peux te raconter un peu Ben bien d'histoire sûr, là-dessus. c'était là pour ça. Donc, le talent, le vrai talent derrière ces bandes annonces que tu entends, c'est le talent d'écriture de Pierre Bélanger, donc, qui est fondateur, PDG Skyrock, qui est enfin, un fou furieux. Le mec est un malade, mais c'est quelqu'un voilà, qui a un talent sans fin et qui était à sa radio, il était à 7 heures du matin, il repartait à 2 heures du matin, et c'est lui qui écrivait. Donc, il écrivait tous les petits sketchs qu'on entend sur ce CD et qu'on produisait à la radio. Le talent d'habillage, c'est Jean-Luc Emmanuel, que tu dois Oui, peut-être que je connais. connaître, voilà, qui est un ancien d'énergie, qui ensuite est arrivé sur Sky, qui ensuite a monté
une grosse boîte de communication audiovisuelle. Moi, quand je suis arrivé à Sky, c'était pour le remplacer, en fait. D'accord. Parce que voilà, parce que moi, j'ai toujours voulu être DJ, mais je voulais être producteur. Et donc, j'ai pris la direction de production de Skyrock, en remplacement de Jean-Luc Emmanuel. Gros boulot. J'avais trois studios à ma disposition. J'avais trois assistants. C'était une vraie équipe et ça travaillait H24 parce que Pierre Bélanger est très très exigeant. Ses bandes annonces, il faut savoir qu'on les refaisait 10 fois de suite, quoi, avant qu'il les valide. C'était une super époque où j'ai beaucoup appris. C'était le début de l'informatique. On parlait tout à l'heure avant l'émission des premiers ordinateurs Atari, avec les premiers multipistes de MIDI. Il y avait très très peu d'audio en direct. On balançait les Revox à l'autostarter. Enfin bon, c'était fou, quoi. Oui, bien sûr, évidemment. Alors tu vois ce que je viens d'afficher sur mon écran. Tu peux expliquer à la jeune génération ce que c'est, ça? Ça, c'est des petits autocollants qui ont exactement la taille en largeur de la bande quart de pouce d'un Revox. Ouais. La bande quart de pouce, on repérait le son exactement où il fallait qu'on coupe. On y mettait un coup de crayon, on allait au ciseau, on allait rechercher un autre endroit lequel on mettait un coup de crayon, on allait au ciseau. On avait une réglette, on posait les deux bandes côte à côte et on mettait ce petit autocollant bleu qui faisait ce qu'on appelait un edit. C'est juste dingue. Et ça prenait 20 minutes pour faire une coupure. Voilà. Et sur une bande annonce comme ça ou sur un réédit de l'époque, je te parle même pas des edits à la Dominique Torti. Où c'était une bande bleue à la fin. Les gens connaissent très très bien ici, où c'était les 5 minutes 30 de bande quart de pouce qui étaient bleues. Donc c'est 200 heures de travail pour faire ça, mais voilà, c'était beaucoup beaucoup de travail, mais c'était cool, c'était du travail que voilà, on comptait pas nos heures. Bah en tout cas, Pierre Bélanger était pas toujours très reconnaissant, mais c'était pas grave. Il y avait une très très bonne ambiance à Sky. Ouais. On était une bande de potes et c'était de très belles années. Excuse-moi, c'est parti un peu trop vite. Je voulais te diffuser. Hop, voilà. Je voulais diffuser un petit medley de Skydance, qui était l'émission que tu produisais sur Skyrock, où j'ai retrouvé des jingles originales avec ton nom RLP à l'intérieur, ce qui était assez rare parce qu'à l'époque, vous parliez très très peu, il y avait beaucoup de musique. Et j'ai réussi à retrouver un petit peu ça. Bon, c'est un petit peu un bout à bout, mais ça donne un peu une idée de la couleur musicale, des jingles et de l'ambiance. Hein. Ça fait une petite minute, écoute ça. Skyrock. Penser, c'est bien. Danser, c'est mieux. This is Skydance, the sound of New York. Nouveauté Skydance. Ah, il est pas mal celui-ci, hein. Celui-ci est pas mal, non? Celui-là est pas mal, oui, j'ai complètement oublié. Alors, l'histoire de Skydance, donc c'était tous les samedis, je crois que c'était 22h minuit ou un truc comme ça, je ne me souviens plus trop. Encore une fois, il faut rendre à César ce qui lui appartient. L'émission a été créée par Dimitri. Avant qu'il aille sur Énergie, il a fait Skydance pendant un an ou deux, je ne sais plus trop. Et à l'époque, on était très amis et il m'a appelé en me disant voilà, je m'en vais sur Énergie. Est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit bah oui, bien sûr, évidemment. Et donc, c'est en fait comme ça, c'est par la porte de Skydance que je suis rentré. D'accord. À Sky, où j'ai fait Skydance pendant un an, je crois, et au bout d'un an, j'ai pris la direction de la prod.
C'était génial, Skydance. J'avais open bar dans tous les magasins de disques de Paris. Je prenais les vinyles par double ou par triple. C'était en direct, c'était sur des platines, c'était pas sur des SM1200, c'est des platines Autostar de radio très très rigides. Ouais, des Bartes, je crois. C'était des Bartes, ouais, ouais, des trucs énormes. C'était pas évident, ouais. Mais on s'amusait bien. C'était le début du sampler. J'avais un Akai S900, ouais. Où on mettait tous les jingles. tu maps tous les jingles sur un clavier et on balançait les jingles en live avec tous les abus que ça peut apporter. Et non, c'était une très très belle époque. Et à minuit, je finissais Skydance le samedi soir. Et hop, je courais au Palace avec mes deux valises de disques. Oui, parce que il faut expliquer que tu as été aussi un des premiers à combiner émission de radio et DJ. Et donc, c'était une activité assez intense le week-end, puisque tu étais au Palace. Il y a aussi les bains aussi, les bains douches à Paris. Et donc, tu avais ton émission de radio et tu enchaînais directement une fois l'émission radio terminée, puisque c'était du direct, ce n'était pas enregistré. Ce n'est pas ce qui est le cas aujourd'hui, malheureusement, de beaucoup d'émissions de radio qui sont enregistrées. C'est pour ça aussi que moi, je veux faire ce live en direct live et qu'il est 21h30 en France, midi 30 en Californie. Voilà, on est en direct live. Et que c'est sympa de faire du live. J'ai une question pour toi de Pascal qui dit « J'ai croisé RLP lorsqu'il dirigeait le label Mort Vinyl pour Polygram. Mm-hmm. J'avais présenté mon titre House chanté en français. Il m'avait gentiment donné des super conseils qui m'ont permis de signer plusieurs productions sur des labels anglais au début des années 90. Il voulait juste te dire merci pour le coup de pouce. » Voilà, Pascal. Bah, bon, voilà, c'est pas de question. En fin de compte, c'est juste un petit clin d'œil. Ça me fait très plaisir. Ouais, Claude, une question. Le nom de Dimitri From Paris est souvent associé au tien. Comment s'est passé le premier contact? Bah, tu l'as expliqué un petit peu, je pense. Non, non, c'était bien avant. Dimitri, c'était un auditeur de Radio 7. Voilà. Qui m'a envoyé une cassette un jour en me disant tiens, voilà ce que je fais, écoute ça. Et comment te dire? Je suis tombé sur un mec qui avait tout compris à l'époque. Oui. Voilà. On parlait le même langage, même si lui n'avait pas eu mon parcours, Montréal, New York, etc., avec toutes ces références dans lesquelles j'ai baigné en première ligne. Lui était en deuxième ligne, parisien, n'ayant jamais quitté Paris, 13e arrondissement. Mais il avait tout compris, il savait exactement de quoi je parlais. Et je lui dis, bah, écoute, tes cassettes, elles sont mortelles. Alors lui, il faisait des édits au pause play. Hein, sur la cassette. Donc sur la cassette. Alors que moi, j'étais déjà au Revox, c'était déjà la bande coupée. Là, je lui ai dit, ce que tu fais avec ta cassette, viens, je vais te montrer comment on le fait avec des bandes. Donc, je lui ai plus ou moins montré comment ça marche. Et voilà, c'est un mec qui a un talent fou. Quand je l'ai interviewé, on a parlé de toi justement la dernière fois, il était dans l'émission et on parlait justement il m'a parlé de ses débuts, justement du fait d'avoir envoyé une cassette un jour, d'avoir été repéré par RLP, qui lui avait donné sa chance de passer justement de la cassette au magnéto à bande et donc de mettre le pied dans un environnement professionnel, quoi, de quitter sa chambre d'ado et de pouvoir démarrer dans ce métier. Ouais. J'aimerais te faire écouter un peu de musique. Parce que je vais te demander de choisir un titre. Alors ça va être très compliqué. Je vais te demander de choisir un titre entre 5 titres. Ok. Alors on va commencer par le 1. Le 1, c'est celui-ci. Attends, il faut que je la ramène. Voilà. Alors le 1, c'est sur Strictly Rhythm, Hard Drive, Little Louis Vega, Deep Inside. Je fais écouter un peu le début, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, j'avance un petit peu pour les jeunes qui découvrent la house. Ok, en choix numéro 1, Little Louis Vega. Choix numéro 2, Can You Feel It de Finger Inc. J'avance. Donc c'est le choix numéro 2. Choix numéro 3, D-Train, Keep On. Keep on.
Tu peux bouger. Et tu sais, tu peux danser, hein, t'inquiète pas. Non, mais t'inquiète pas. Ça. Donc, D-Train en numéro 3. Ouais. Numéro 4, Third Choice. Ah, j'ai pris des classiques de classiques, hein. Et numéro 5, le Derrick May, String of Life. Alors voilà, à toi de me dire. C'est compliqué parce que je sais que c'est le Hard Drive, Deep Inside. Can You Feel It? Si tu devais faire un petit classement de tes titres préférés parmi ces 5. C'est très facile. First Choice en premier. First Choice en premier, je m'en doutais. D-Train en deuxième. Ouais. Qu'est-ce que t'as mis après? En trois, bah, tu peux mettre Can You Feel It ou Derrick May. Ou... Non, Can You Feel It. Ouais. Et après, il te reste le Little Louis Vega Hard Drive. Et le Derrick May, je ne suis pas fan. Je préfère la version qui est sortie plusieurs années plus tard. Oui. Par un groupe dont j'ai oublié le nom, qui est sorti sur Defected, je crois. Oui, mais qui était rechanté. Ah, si. Voilà, et c'était vraiment très très beau. Là, cette version, elle me. Voilà. Ouais. Puis c'est une époque en plus où j'étais pas très présent en fait. D'accord. Donc, effectivement, en numéro 1, j'aurais mis ma main à couper, que c'était le Third Choice, qui est ce titre de 8 minutes qui est emblématique. Et c'est marrant parce que lors de l'interview avec Dimitri, il m'a justement dit que ce titre-là avait été un peu un lien entre vous. Parce que Dimitri connaissait la version house de Steve Silkerley. Et toi, tu l'avais dit, mais attends, mon bonhomme, ça, c'est vient d'un titre. Et donc Dimitri est allé chercher ce titre-là, dit, ah ouais, mince, oui, effectivement, l'original, c'est First Choice. Okay, ouais, c'est un des premiers maxi sur Salt Soul où il y avait la cappella. Je dis que c'est pas le premier, c'est un des premiers. Ouais. Le travail de ce génie qui s'appelle Tom Moulton. Qui a inventé le remix un peu. Qui a inventé le remix, qui a inventé le maxi 45 tours. Ouais. Voilà, c'est un des premiers maxi où il y avait la cape et c'est un acapella qui a été cramé dans tous les sens. Moi, je pense pas avoir fait un set dans ma vie de DJ sans avoir mis l'adlib de cet acapella au moins trois fois. Au moins trois fois. C'est vrai que c'est dingue. Bon, écoute, je suis content de ta sélection et je vois en plus c'est que les gens sont un peu d'accord. Disons classement pareil pour moi, String of Life. Donc String of Life, c'était la version de Soul Central dont tu parles. Voilà, Soul Central. Ouais, exactement. Je vois les gens réagissent en direct. Ouais. Alors j'ai encore quelques questions à te poser. Alors on a vu ça, c'est Karim de Nantes. On a vu des personnalités comme Arthur Baker, Derrick May ou encore Little Louis Vega te citer comme le premier DJ français à passer leur disque en France. Comment à l'époque te procurais-tu ces disques avant tout le monde? J'allais à New York, tout simplement. Ouais. Radio 7, c'était open bar. Hein. Je veux dire, budget limité, on était grassement payé. J'arrivais à avoir un budget pour aller à New York passer 4 jours tous les 3-4 mois. J'avais mes entrées dans tous les labels. Parce que quand je vivais à Montréal, alors là c'était tous les week-ends, j'allais à New York pour chercher les disques. Oui, c'est comme ça que tu étais le premier à avoir les disques, puisque tu allais directement les chercher, c'est carrément importé. Exactement. Puis j'ai eu la chance de me rapprocher des producteurs. Arthur Baker est devenu un ami intime, Tom Silverman de Tommy Boy, qui a produit Planet Rock d'Africa Bombata avec Arthur Baker, est devenu aussi un copain. La liste est pas longue, mais elle est importante. Ouais, c'est conséquent, c'est des bons noms. Pas parce que je suis un mec génial, tout ça parce que j'étais le petit français qui déboulait à New York, qui parlait anglais parfaitement, et donc du coup je crée un lien, et c'était très pittoresque pour eux d'avoir un gamin français qui arrivait, qui parlait leur langage et qui leur disait, je vais prendre vos disques et je vais les jouer à la radio en France. En France, ouais. Donc j'ai bénéficié de cette époque-là. Et puis après, je recevais un peu de disques. Et puis, j'ai copiné avec des importateurs à Paris, dont un importateur qui s'appelait Caramel,
voilà, qui était voilà, c'était une boîte géniale. Et chez eux aussi, c'était open bar. J'arrivais, quand ils recevaient un white label, il était pour moi. D'accord, oui, donc c'était facile, enfin plus facile d'obtenir les disques avant tout le monde. On comprend mieux. Question de Jérémy. Est-ce que tu peux nous parler de ton processus créatif et des aspects légaux pour le morceau Respect? Est-ce que tu as dû demander la permission de la maison disque à Aretha Franklin, même si tu as refait le titre avec Barbara Tucker? Alors, c'est le principe du sample rejoué. Hein, je pense que tu connais ça aussi. Du cover, oui. Voilà. Donc, si effectivement, moi, au départ, j'ai produit ça avec le sample d'Aretha Franklin, quand c'est juste pour moi et pour jouer en club, bah, ça va, personne ne dit rien à personne. Un label, DJ Center, pour pas le nommer, s'est intéressé à ce morceau, a voulu le signer. Et là, c'était inenvisageable d'aller demander la clearance aux ayants droit. C'est pas Aretha Franklin. Aretha Franklin n'est que l'interprète de ce morceau. Donc, il fallait demander les droits aux producteurs originaux et aux auteurs-compositeurs originaux. Donc, c'était inenvisageable. Moi, j'ai dit, ouais, mais si c'est pour faire chanter quelqu'un dessus, ça ne me plaît pas. C'est rarement bien. Il y a rarement le même grain, la même vibe, la même, etc. Et ils m'ont dit, mais si par exemple, on demandait à Barbara Tucker. Là, j'ai dit, ouais. Là, j'ai dit d'accord. Et là, tu as dit, let's go. Et d'ailleurs. Là, j'ai dit, let's go. Barbara, je l'avais déjà côtoyée une ou deux fois par l'intermédiaire de compilations que je faisais qui s'appelait Total Diva. Donc, c'est des compiles avec que des chanteuses. Cathy Brown, Justin Brown, Barbara Tucker, Inaya Day, etc. Donc, je l'ai au téléphone. À l'époque, elle était à Ibiza. Elle vit 6 mois par an là-bas. Et je lui dis, écoute, Barbara, moi, j'apprécie beaucoup que tu acceptes de faire ce truc avec moi, mais je ne veux pas que tu fasses du Barbara Tucker. Je veux que tu imites Aretha Franklin. Je veux que ça soit, mais vraiment, si on met les deux l'un sur l'autre. Identique, quoi. Mais c'est super dur. C'est même... C'est dingue. Et je pensais qu'elle allait me dire non, hein, pour tout dire. Ouais. J'ai un peu fait exprès de la remettre. T'as mis un peu les pieds dans le plat en disant, voilà, il faut que tu fasses, que tu enlèves ton ego de Barbara Exactement. Tucker et que tu me fasses une réplique. Et c'est vrai que c'est... Et elle a accepté. Elle m'a dit, ouais. 2 jours après, elle m'envoie les bandes, juste sa voix, à l'époque, c'était sur une DAT. Et du coup, moi, j'ai tout repris. Elle m'a donné 5 prises. J'ai pris mot par mot. Ouais. Et là, je me suis rapproché le plus possible de l'original. Avec Aretha Franklin. J'ai fait jouer l'instrumental par un studio anglais qui fait ça toute la journée et qui fait des covers à l'identique. C'est très, très rigolo. J'avais jamais fait ça. Je pense que toi, tu as dû le faire une fois ou deux. Moi, je l'avais jamais fait. C'était une première expérience. Ils t'envoient leur mix, donc consolidé. Là, tu dis, putain, c'est la même chose. Et il t'envoie les stems, et quand tu écoutes les stems, mais c'est pourri. C'est-à-dire, tu te dis, mais comment ils font, quoi? Ouais. Et donc, c'est. Mais l'ensemble, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ils arrivent à recréer quelque chose avec les bonnes réverbes, mais quand tu écoutes piste par piste, mais c'est juste, c'est pas possible. C'est pourri, quoi. Mais bon, ça l'a fait. Ça a fonctionné. Et ça a fonctionné. Donc, du coup, j'ai reproduit le morceau avec le cover, Respect. Instrumental, les voix d'Aretha Franklin. Du coup, ça devient un cover pour répondre à la question de... C'était Jérémy. De Jérémy. Ouais. Et la règle du cover, c'est qu'il n'y a pas d'autorisation à demander à qui que ce soit. À partir du moment où tu ne changes pas le texte et que tu ne changes pas la mélodie des arrangements, c'est un cover. Les droits SACEM, les droits d'auteur vont directement... aux originaux, quoi. Aux auteurs-compositeurs originaux, et tu ne verses pas l'argent au producteur du master original. Ça, c'est quand même toi qui le récupères. Question de Benoît. Avec le retour de la house music, des mélodies et des divas derrière le micro, est-ce que tu te sens prêt à ressortir tes remixes et à faire des rework versions, des versions un peu remix? Là, on peut parler de réédit peut-être, parce que c'est ce que tu proposes sur un site où j'ai trouvé plein de trucs incroyables. Bandcamp, ouais, c'est bien Bandcamp. Non, j'ai pas envie de retoucher à ces trucs-là, d'autant plus que j'ai perdu les fichiers. Donc, non. Si. D'accord, donc ça restera dans le passé. Donc, non, mais c'est dans le présent en plus, parce que quand pas mal de gens continuent à jouer ces morceaux-là. Et moi, j'ai beaucoup de plaisir à les écouter, à les jouer de temps en temps. Mais non, revenir dessus, non. Là, on voit une pochette d'un RLP réédit.
Donc ça, c'est des choses que je vois qui datent de 2017. Ce sont des réédits que tu avais fait principalement pour la radio, c'est ça? Que tu as après regroupé? Comment c'est expliqué? Non, c'est des réédits que j'ai fait pour moi, avant tout, pour jouer. À l'époque de ça, je jouais beaucoup dans un club parisien que j'adore, qui s'appelle le June, oui. Qui est le club soulful par excellence. Donc je jouais au moins une fois par mois. Et donc ça me motivait pour faire ce genre de choses, et en fait cette étiquette là je l'ai faite parce que j'ai fait des vinyles uniques dans un système que j'ai trouvé sur internet. Ah oui? En fait, ils te font des vinyles à la pièce, c'est pas donné, mais c'est pas inintéressant. D'accord. Parce que je suis parti en fait à Hong Kong faire un DJ set avec ma femme qui fait des bijoux. Oui. Et on avait fait cette collection de bijoux avec des cassettes et des vinyles. Et un magasin nous avait demandé de venir. Elle faisait ses bijoux personnalisés en live. Et moi, à côté, je faisais mon DJ set. Et il fallait que ça soit 100% vinyle. Or, comme donc, du coup, tu as été obligé de graver des vinyles? Voilà, comme je t'ai dit au début, j'ai plus de vinyle. Donc j'ai gravé mes réédits sur des vinyles. Et donc, du coup, j'ai c'est bien. Attends, bouge pas, j'ai un truc à te montrer. Dans le studio, voilà. Je sais pas si tu vois, regarde. Tu vois ça là, regarde. Ouais, bah ouais. C'est donc le petit bijou que j'ai reçu, voilà. J'ai pas encore eu le temps de le déballer, mais donc j'en ai parlé la semaine dernière. Donc c'est une opération que vous faites en collaboration avec FG for DJ, qui est une opération pour donner un peu d'argent aux DJ qui en ce moment sont dans la merde. Il n'y a pas d'autre mot depuis le mois de mars où ils ne peuvent plus travailler avec cette marque La Môme Bijoux. Vous donnez une partie de chaque bijou vendu. Alors, c'est des bijoux qui sont super. Ouais, c'est en forme de cassette ou en forme de vinyle. Voilà, c'est ça. Et on a marqué dessus « Music sounds better with you » parce que je pense que c'est un message qui parle bien, si tu veux, au rôle du DJ, quoi. Ouais, « Music sounds better with you », ça, c'est sûr. Ouais. Bah, c'est super. En tout cas, c'est une très bonne initiative et donc j'encourage tout le monde à aller se renseigner. Tu peux donner une adresse internet pour aller voir ça. Oui, c'est lamombijoux.paris, lamombijoux.paris. C'est la marque de mon épouse et voilà. C'est la marque des bijoux, voilà, parfait. Donc ça, on en a parlé, c'est bon, on est à jour. J'avais aussi, non, je voulais te montrer un petit truc aussi encore. Ça va, t'as encore 2-3 minutes, t'es pas trop pressé. Ah, mais j'ai toute la nuit. T'as toute la nuit, ouais. De toute façon, t'es un mec de la nuit, toi. Ouais. Non, je voulais te montrer ça, regarde. J'ai trouvé ça sur ton Instagram. J'ai trouvé ça excellent, effectivement. Ouais. Donc, dans les années 80-90, le bac à 10 vinyle avec 50 disques dedans, on les joue tous, c'est tous des tubes, enfin tous des très bons titres. La pochette CD au milieu avec 500 CD, bon, on n'en joue toujours que 50, hein, parce que forcément, on joue pas plus de titres dans la soirée. Mais il y en a quand même 500 qui sont très bien. Et alors, j'adore la clé USB, donc il y a plus de 5000 chansons. On en joue toujours 50, mais il n'y en a que 25 de bons. Oui, j'ai 1/2. J'ai trouvé ça assez bon. Alors, surtout que maintenant, la nouvelle génération de lecteurs pionniers, qui est ici, tiens, si je fais un petit tour, là, qui est ici, là, cette nouvelle génération de pionniers, maintenant, elle est directement connectée, si tu veux, au net. Et donc, du coup, c'est pas 5000 chansons, c'est 5 millions. Il y en a que 25 de bien. Et il y en a que 25 de bien. Bon, ok. Alors, je reprends un peu le flow des questions. Alors, Vivien qui me dit, est-ce qu'il pourrait nous raconter comment... Non, alors, lui, j'ai déjà dit ça. Voilà, il dit Skyrupted Dance, dont tu en as déjà parlé. Let's Chill Page qui dit Jean-Michel Jarre, Max Aaron, Robert Lévy Provençal, c'est mon top 3. Tiercé gagnant. Des pionniers de la musique 70-80. Elle a donc quelle question? Je regarde sa question. Excuse-moi, c'est en live. Ah oui, lui il veut parler d'un truc. Il dit tu as collaboré avec une marque Nextbeat pour le développement de produits audio destinés aux DJ. Oui. Est-ce que c'était une bonne expérience? Est-ce que ça t'a donné envie de travailler dans le développement de plugins ou de choses liées à l'univers musical? Oui, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie, ça m'a surtout montré que, effectivement, mon histoire, mes compétences pouvaient servir à quelque chose d'intéressant.
Maintenant, Nextbeat, c'était un projet un peu fou, oui. Qui était peut-être qui est arrivé trop tôt. Voilà, conçu par une boîte japonaise immensément puissante et immensément riche, qui est Wacom. Donc, c'est les palettes, c'est les tablettes graphiques, mais qui connaissait rien à ce monde-là. Donc, moi, je suis intervenu en tant que consultant. Par rapport à l'ergonomie de la machine, mais c'est vrai que sur un cahier des charges de 20 pages, ils en ont respecté une demi. Donc c'est compliqué. Je leur ai permis d'avoir accès à tout mon relationnel avec plusieurs artistes, etc. On a fait des choses plutôt sympas. Ça m'a permis de passer deux semaines à Ibiza pour aller montrer la bécane partout, au Pacha. Enfin bon, ouais. Voilà. Donc c'était plutôt chouette. C'est vrai que ça n'a pas donné grand-chose parce que la bécane, le concept est génial, mais et puis je pense que toi, ça te parle vraiment parce que oui. Avec ton clétard, tu sors de la cabine et tu fais ce qu'il faut. Là, c'était le principe, mais l'ergonomie n'était pas aboutie, malheureusement. Mais je suis d'accord avec toi sur une chose, c'est que je pense que c'est un projet qui est arrivé un peu tôt. Et je pense que, alors maintenant, on est en crise du coronavirus, il n'y a plus toute soirée, plus tout DJ, donc ça c'est carrément arrêté si tu veux, mais globalement, avant le mois de mars, tu avais quand même une certaine compétition entre les DJ qui recherchaient des choses qui leur permettaient de faire un spectacle, en tout cas de se mettre en scène. Et ce genre d'instrument qui était donc sans fil et qui était une espèce de télécommande, c'était quelque chose qui était assez novateur et qui arrivait, à mon avis, un peu trop en avance, effectivement. Oui, et puis moi, j'ai fait l'expérience. J'ai vraiment joué le jeu. À l'époque, j'étais résident Queen, donc j'y étais tous les samedis. J'avais la bécane, je mixais un peu partout en France, j'avais la bécane. Et ce que je faisais, c'est que je prenais la télécommande et j'allais à l'autre bout du club. Oui. Et je pouvais mixer, je pouvais jouer vraiment avec mes faders, avec mes EQ, balancer un autre morceau, jouer avec des samples. Il y avait un genre de séquenceur à l'intérieur qui n'était pas inintéressant. Les gens ne comprenaient pas. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fout là ? Il devrait être en cabine. Donc là, c'était un peu trop tôt. Et l'ergonomie, surtout, était mal branlée. Quoi. Ouais. Mais la technologie, en tout cas, ça t'a donné envie de continuer à faire bénéficier de ton expérience des constructeurs. Je dis ça parce que dans les gens qui regardent l'émission, tu as pas mal de gens qui fabriquent des plugins, qui fabriquent des instruments de musique, qui travaillent avec des partenaires comme Arturia. J'ai vu des gens là qui se sont inscrits, justement, j'ai vu dans les noms des personnes qui travaillent entre autres chez Arturia. Donc voilà, sachez que RLP peut vous faire bénéficier de 40 ans d'expérience. Alors après, on me demande, tiens, Florent qui me demande là en direct, je vois ligne 4, qui me dit quels sont tes projets, quelles sont les choses sur lesquelles tu as envie de travailler en ce moment? Pas grand-chose sur lesquelles j'ai envie de travailler en ce moment. Relié à la musique, hein, on parle. Oui, c'est ça dont je parle. Non, je suis un peu en recherche d'un second, mais d'un énième souffle. Il n'y a pas grand-chose qui m'excite dans ce que j'entends. Ouais. Dans le DJing même, il n'y a pas grand chose qui me motive vraiment. Je ne veux surtout pas faire le vieux con qui dit que c'était mieux avant, mais c'est vrai que là, dans les Facebook Live par exemple, dont on a eu pléthore d'exemples pendant le confinement, voilà, moi le seul mec qui m'a vraiment vraiment filé la banane, c'est David Morales tous les dimanches. Bon, c'est super old school. Mais musicalement c'est beau, ça file la patate. Lui il est d'un premier degré absolu, et je le dis pas méchamment parce que c'est très positif. Quand il lui est arrivé de pleurer en jouant un morceau, si tu veux, tellement il était ému par ce qu'il jouait. Ah ouais, mais je comprends l'émotion. Moi c'est ça qui me motive. Les DJ qui arrivent avec une clé USB et voilà, on va rentrer sur des vieux débats, dont on voit des pages et des pages et des pages sur Facebook. On va parler de la synchro. Moi, je travaille avec la synchro. J'ai Traktor, je suis toujours en synchro. Voilà, donc je tiens à le dire. J'ai pas de rejet de ça. Mais il faut pas que les gamins, les jeunes, la nouvelle génération se limitent à ça non plus, quoi, parce qu'il n'y a plus d'âme. Voilà, l'EDM, je suis pas fan. Bon, il y a un revival soulful, il y a un revival house, Glitterbox, Defected, etc. Oui, il y a beaucoup de labels qui ressortent des mélodies, voilà. Et on sort de cette vague un peu terrible de l'EDM qui a quand même tout mangé sur son passage. Que,
Le problème, si tu veux, c'est que il y a un site internet qui s'appelle Tracksource, qui est plutôt pas mal dans ce créneau-là, soulful, disco house. Mais même là, j'en viens à être assez critique négativement. C'est que j'ai l'impression de réécouter tous les samples disco house qui ont été faits déjà entre 2002 et 2008, à peine remis au goût du jour, quoi. Tu vois, à peine. Oui, il y a juste un pied en dessous. Ouais. Donc c'est les mêmes filtres, c'est les mêmes samples, c'est les mêmes. Voilà, ça me fatigue un peu, quoi. Donc je cherche un énième souffle. Et tant que j'ai pas trouvé pour l'instant. Bon, on risque en tout cas de te retrouver encore à la radio sur RTL2 en fonction des discussions que tu as, tu nous as expliqué tout à l'heure. Et puis en tout cas, bon, on espère te retrouver dans des clubs quand la situation mondiale va redevenir un peu normale. J'avais une question, je crois, qui était de Stéphane. Attends, je vais pas regarder. Ouais, c'était là les questions. Je regardais justement la question. Christophe de Nancy qui disait: comment imagines-tu l'après Covid-19 au niveau des soirées et des concerts? Très difficile de se prononcer sur ça. Hein. On peut pas se prononcer. Je sais que t'es concerné au premier chef. Ah oui. D'ailleurs, je tiens à te dire à titre amical que je trouve ça vraiment vraiment triste pour le travail que tu as accumulé ces dernières années, que tu te retrouves avec une annulation de ton festival en septembre. Oui. Mais bon, voilà, c'est comme tout le monde. Exactement. Il aurait fallu que tu le fasses au Puy du Fou, peut-être que tu aurais une possibilité de le faire. Mais non, c'est impossible. C'est impossible d'avoir une vision vraiment claire. Voilà, c'est pas des rumeurs, mais les infos qui tournent en ce moment, c'est qu'il n'y aura rien avant janvier. C'est terrible. Oui, c'est terrible. C'est terrible pour l'univers des DJ. Et je pense beaucoup à ceux qui ont débuté des carrières naissantes en début d'année et qui se sont retrouvés à avoir investi de l'argent, à avoir pris des cours, à s'être mis dans des écoles, dans des choses comme ça, et qui maintenant se retrouvent avec plus d'argent, du matos à payer et aucune possibilité d'exploiter ça pour rentabiliser un petit peu les investissements. Donc, c'est sûr. Et c'est pour ça que je voulais te remercier pour l'opération que vous avez fait sur les bijoux. C'est pas grand-chose, tu sais, c'est juste, voilà, parce que, évidemment, je suis sensibilisé par ça, et j'ai vu l'opération d'Antoine sur Radio LG, je trouve ça plutôt cool. Et puis voilà, on s'est dit, bah écoute, on va consacrer un bijou à ça, on donnera 10 euros pour chaque vente, on en a déjà vendu un certain nombre. Super. Ça changera pas la vie, mais c'est ma manière aussi de dire, je pense à vous les mecs. Moi, je suis assez malheureusement pessimiste parce que même si les clubs réouvrent, comme tu le sais très bien, il y a aussi un déclin de la valeur du DJ en tant que résident dans des clubs, etc. Et je pense que tout ça ne va pas arranger la chose, quoi. C'est-à-dire que les DJ qui n'étaient pas très, très bien payés avant le Covid le seront probablement encore moins. Après le Covid, quoi, parce que les clubs vont dire bon bah ouais, mais c'est compliqué, peut-être mettre une playlist, voir comment ça se passe pendant peut-être un mettre moment, un truc automatique, un iTunes qui tourne en boucle ou une playlist Spotify. Ça nous pend, ça nous pend. Après il y a les gros DJ, les DJ de festival dont je ne fais pas partie, mais qui eux aussi vont probablement devoir trouver des nouvelles solutions. Parce que mettre 15 000 personnes dans un stade, ben, ça ne sera pas avant l'été prochain, je pense. Peut-être en Vendée. Peut-être en Vendée. Pourquoi pas. Electric Park du Fou, présente. Voilà. Je te vois bien avec un home. Mais moi, ça me dérange pas. Tu passes de Space Invader à... Voilà. Tu vois. Bon, écoute, je te remercie énormément de cette interview. Je suis content que tu aies accepté. Hein, bon, il ne m'a pas fallu longtemps pour te persuader. Bon, on a quand même 2-3 petits échanges quand même. Hein, non, je te remercie beaucoup parce que c'est important. Cette émission, elle est pour les gens qui font du son, qui aiment la musique, des connaisseurs. Et je pense qu'avoir ton témoignage, c'était vraiment quelque chose qui est très, très important pour moi, en tout cas. Et je vois dans les commentaires des gens qu'on est tous sur la même longueur d'onde et que ça fait du bien.
bien d'avoir un spécialiste et un passionné comme toi et un pionnier qui nous a donné à beaucoup d'entre nous, et j'en fais partie, l'envie d'aller au bout de sa passion et de vivre de sa passion. Et je te remercie encore pour ça. Voilà. Non, ben c'est moi qui vais te remercier parce que ça quand même fait beaucoup de bien à mon ego tout ça. Donc, non, mais c'est. Écoute, c'est moins cher que le psy, hein. C'est moins cher. C'est moins cher, absolument. Non, mais voilà, merci beaucoup. C'est vrai que j'étais réticent pour des raisons absolument connes. Mais ça s'est bien passé. Et encore une fois, ce petit montage que tu as fait, c'est. Mais c'est tout ton talent, ça, Joachim, je tiens à te le dire. Parce que si moi, je t'ai inspiré et je t'ai donné envie de faire pas mal de choses, dès le début de ce travail de l'image, de ce travail des communautés, t'as été mais performant, mais à un point incroyable. Et comme quoi, avec des images plutôt pourries, quand on a le talent que tu as, on arrive à faire un truc assez valorisant pour le DJ. Donc c'est bien, je te remercie beaucoup. C'est la force du montage, la force. La force du montage. Moi, tu peux me donner des images de Spielberg, je te fais une merde. Alors que toi, tu arrives à faire un truc. C'est bien, merci. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et puis, on va prendre la suite parce qu'on devait faire une demi-heure, on a fait une heure. Mais bon, écoute, je suis très heureux qu'on ait pu échanger comme ça et qu'on a parcouru quelques années importantes, des années radio aux années vinyle, aux années DJ. Et je te souhaite de beaucoup de choses, une bonne négociation avec RTL2 en espérant que ça continue, qu'on puisse continuer de t'entendre RLP à la radio. Et puis sinon, on se verra quand toute cette maladie sera partie. Je reviendrai, j'en ai fait un bisou à Paris, d'accord ? Ouais, merci Joachim. À bientôt, merci. Bonne nuit. Ciao. Salut, ciao. Ah, je suis hyper heureux d'avoir eu la chance de pouvoir... avoir un RLP dans la soucoupe aujourd'hui. C'est cool quand même, franchement. Franchement, je suis très heureux. La semaine prochaine, alors changement de cap, la semaine prochaine, nous aurons Yvan Cassard. Alors, Yvan Cassard qui sera l'invité dans la soucoupe. Yvan Cassard, vous le connaissez sûrement avec Johnny Hallyday, avec des gros stars de la chanson. C'est quelqu'un qui a un profil carrément atypique. En même temps qu'une chevelure atypique, il faut bien dire. Yvan Cassard, qui est donc chef d'orchestre, pianiste, artiste, compositeur, formation bien évidemment classique de musique. Et il viendra nous parler de son métier. Et c'est encore, je pense, une bonne émission avec un témoignage, je pense, qui sera vraiment sympa. Alors, avant de vous accueillir dans la soucoupe grâce à joachimgarreau.com/live, voilà. Je vais pouvoir aller un petit peu dans le sommaire de cette émission. On a deux choses à voir au niveau de Live Ableton. On a le remix de Chris Willis, où il y a eu un peu d'avancement. Je ne suis pas très content de ce que vous m'avez envoyé, mais je vais quand même en parler avec vous. Je veux quand même vous montrer un peu tout ce que j'ai reçu. Et puis, j'ai aussi le mash-up de Kool & The Gang, aussi, qui a bien avancé. Ça, je vais vous montrer un petit peu où ça en est. Mais avant toute chose, avant de commencer, je voulais me renseigner sur un truc. Est-ce que je vous ai dit qu'on était diffusé sur Facebook ? Wow ! Ouais, et sur YouTube aussi. Oh ! Twitch aussi. Ouais. Et même Instagram. Ouais. Oh ! Mais le mieux pour garder l'émission, c'est Alien. Je viens de me rendre compte que vous n'aviez pas le son. Et je sais pourquoi. C'est parce qu'il faut que je fasse une petite modification comme ça. Voilà. Et là, c'est mieux. Là, on a le son, au moins.
Alien TV, c'est tous les soirs, enfin non, tous les jeudis à 21h. Pas mal quand même, hein. Si vous avez des filtres, des idées de filtres pour nous, les aliens, n'hésitez pas, envoyez, hein, ça fait toujours plaisir. Au niveau des narines, c'est pas mal quand même celui-là. Le alien est plutôt pas mal. Bien, le programme, je vous ai dit que j'allais vous emmener à Burning Man. Burning Man, c'est mon festival favori. Cette année, Burning Man n'a pas eu lieu parce que Burning Man aurait dû avoir lieu fin août. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vais vous proposer une chose exclusive. En 2019, ma sœur Pauline est venue avec moi et nous sommes allés dans le bus LA Good Vibe, solaire. On s'est mis à Burning Man, on était très bien avec le soleil qui chargeait les batteries et ma sœur a eu l'idée d'aller mettre une caméra de chantier qui prend une photo toutes les X secondes, mais ceci pendant des semaines. Elle a mis ça sur le toit du Harvey, sur le toit du bus solaire, et elle a donc filmé la playa. Et donc vous allez pouvoir vous retrouver avec un timelapse exclusif, un timelapse de quelques minutes, je crois 2 minutes, qui vous montre une journée et une nuit à Burning Man. C'est exclusif Alien TV. Alors, c'était bien ce petit tour à Burning Man. Hein. Je vais lancer tout de suite le Joachim Garraud live, ici. Voilà. Touche numéro 28, joachimgarraud.com/live. Vous allez pouvoir me rejoindre à bord de la soucoupe. Voilà, c'est ouvert. Je vois déjà que ça arrive. Voilà, je vous laisse arriver tout de suite et je vais venir après vous interroger. Donc, je vous ai emmené faire un petit tour à Burning Man. Ce petit timelapse vous montre un peu la folie de ce lieu. Sachez que c'est un lieu où il n'y a d'habitude de personne. Et ce lieu-là accueille chaque année, malheureusement pas cette année, 70 000 personnes dans le désert du Nevada, à 2 heures de route de Reno. Et j'ai eu la chance d'y participer 11 fois, 11 années. Et j'espère que ça vous a plu, ce petit timelapse. joachimgarraud.com/live, je vois qu'il y a les Benoît qui arrivent, les DJ Wills, les Bruno. Oh là, je vois que les... Voilà, on va regarder un peu. Voilà. Hop, alors. Je regarde un peu ce qui se passe ici. Voilà. Ouh, il y a du monde, là. Alors, j'ai comme un retour vidéo sympa. J'adore, on est dans les années 70. Gallery View, voilà, c'est mieux, là. Ouais, je vois que c'est toujours les mêmes, hein. Je vois que c'est toujours les mêmes, ouais. Tiens, on va lui dire, vous savez quoi? On va lui dire bonjour à DJ Wills, parce qu'en plus, il a le t-shirt. Et puis, en plus, aujourd'hui, on est une date proche d'un anniversaire pas terrible à fêter, qui est la disparition de Fred Rister. Et je voulais lui faire un petit bisou là-haut, Fred. Pense à toi. Et j'ai vu que sa sœur était tout à l'heure sur le live. Tu m'entends, DJ Wills? Oui, je t'entends. Bon, tu vas bien? Très bien, et toi, Joe? Bah écoute, je suis content de te voir. Attends, de te voir dans la soucoupe. Sauf que j'essaie désespérément de. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Je suis content que tu aies le bon t-shirt. Ah là, et derrière, une pensée pour Fred.
C'est pour ça que j'ai vu, c'est pour ça que j'ai vu que tu avais I Want a Miracle et une pensée pour Fred, effectivement. Bon, écoute, t'as compris que le festival Electric Park était annulé, qu'on l'a déplacé d'une année. Hein. On est plus dégoûté. Ben voilà, ben, moi aussi je suis dégoûté, je peux te dire, parce que on a fait les comptes avec les associés, je peux te dire. C'est horrible. Bon, bref, en tout cas, je voulais remercier parce que je sais qu'il y a une cagnotte Litchi qui a été organisée. D'ailleurs, il faut que je trouve le lien. Je suis vraiment tellement nul, j'ai oublié de vous mettre le lien. Mais bon, voilà. Si vous trouvez le lien, pouvez-vous le poster dans le fil de ce chat, ce serait sympa. Merci pour RLP. Ben oui, alors RLP, ça t'a plu ? Ben, il a beaucoup de tracks que je joue, des bons reworks qui mettent le feu. Ah oui, mais c'est un bon. C'est un bon Space Invaders, en tout cas. J'étais très content de... Voilà, parce que ça booste par rapport aux originaux. C'est, ouais. C'est bon, Maxime. C'est bien fait, bien gridé et tout ça, quoi. Bien sûr. Bon, je te souhaite un bon boarding dans la soucoupe et on se retrouve tout à l'heure, OK? Merci, bonjour à toute la petite soucoupe qui se reconnaîtront. Ben, je vois qu'il y en a déjà qui sont arrivés, là. Je voulais vous... Pour ceux qui posent la question, comment on fait pour rejoindre la soucoupe, c'est simple, c'est marqué en haut, regardez, joachimgarro.com/live. Vous tapez ça sur un ordinateur ou avec votre téléphone et vous allez arriver directement dans la session Zoom où nous sommes là tous en train de partager un peu cette session. Alors attends, je regarde. Oui, voilà, très bien. Je voulais diffuser, avant d'aller sur la session live, je voulais vous diffuser un petit reportage qui m'a été envoyé par, je crois qu'il s'appelle Marc ou Pascal, je ne sais plus. Qui habite à Strasbourg et qui a retrouvé dans ses archives, sur son disque dur, un petit film qui date de 2010, quand j'avais eu la chance de faire l'Inox Festival à Strasbourg. Et donc, il m'a renvoyé ça. Il m'a dit, est-ce que tu peux le diffuser spécialement pour tous les gens de l'Est, tu vois, pour tous les gens de Strasbourg? Alors, oui, je vais faire ça, pas de problème. Je voulais donner, bien sûr, l'adresse pour... Vous puissiez rejoindre la soucoupe, joachimgarro.com/live. Et puis, Inox Strasbourg 2010, ça dure 2 minutes. On se retrouve juste après. The Ministry of Defense has examined more than 15,000 alleged sightings of flying saucers and other unidentified flying objects over Paris since 1959. Is still keeping an open mind on the existence of aliens. Suddenly, coming from the sky, a flying object approached and hovered overhead. Now, we know the truth. Space invaders are back. You thought you were alone in the universe? You thought you could live much longer without the invasion? Today, the world's eyes are looking up at space. Now, you know the truth. We are back. Petit souvenir 2010 avec ce Inox Strasbourg. Merci à Marc, j'ai vérifié, il s'appelle bien Marc, qui a envoyé ça dans la Dropbox. Vous savez comment ça fonctionne. Vous avez des choses à récupérer dans la Dropbox et vous déposez les choses dans la Dropbox. Comment on fait pour retrouver ces adresses de Dropbox? Eh bien, c'est dans la description des vidéos, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Twitch ou même sur Instagram. Instagram, ça fonctionne aujourd'hui. Ouais, ça fonctionne, c'est nickel.
Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors j'ai la possibilité de partager mon écran pour pouvoir vous parler d'une petite session live Ableton. Alors, vous savez que... Voilà, je vais me mettre voilà, là, oui, Ableton. Vous savez que on a commencé un remix ensemble et que ce remix-là n'est pas terminé et c'est pas facile de le terminer. Alors, je vous rappelle un petit peu ce qu'on avait fait à l'épisode précédent. L'épisode précédent, je vous avais bouncé un MP3 qui ressemblait un peu à ça. Je vais laisser jusqu'au refrain. Alors donc, dans le refrain, je disais, le refrain décolle pas terrible. Est-ce que vous pouvez me proposer des arrangements qui puissent aller dans le refrain? Donc, vous étiez très nombreux. Je n'ai pas pu sélectionner tout le monde. Enfin, j'ai fait une présélection. Il y avait des choses qui étaient difficilement écoutables parce que, d'abord, pas au bon tempo. On voulait m'envoyer des choses qui n'étaient pas au bon tempo. Puis, il y a quelquefois des choses qui n'étaient pas du tout dans la tonalité. Donc, j'aimerais qu'on parcourt rapidement des propositions qui m'ont été faites. Par exemple, celle-ci, collab. Alors, collab Olivier Gagnoux. Donc, je vous fais écouter le refrain avec sa proposition. En solo. Alors, je trouve que ça va pas trop avec. Je voulais te dire, Olivier, d'abord, les notes, pas certains. Et puis surtout, je trouve que ça ralentit plutôt qu'accélérer le morceau. Voilà. Je vais vous faire écouter une proposition de Martial, Fléau Martial. Donc c'est des pads. Pareil, je trouve que ça plombe un peu le morceau. Malheureusement, je trouve que ça ralentit plutôt que de l'accélérer. J'avais un arpégiateur ici. Non, alors celui-ci, je ne vais pas vous le faire écouter. J'ai déjà fait, voilà. Une autre proposition de Olivier. Voilà, ouais. Un arpégiateur qui, malheureusement, n'est pas dans la bonne tonalité. Benoît Jefferson. Refrain. Donc c'est assez discret, c'est plutôt bien parce que la tonalité est bien, le son est bien, le délai est super. Malheureusement, je trouve que on n'accélère pas réellement, mais bon, c'est un de mes préférés pour l'instant parce que effectivement, c'est ce qui se met le mieux, je dirais, dans la session. Je vais vous faire écouter maintenant une proposition de Camille. Alors Camille, il en a mis partout, on va dire. Il y a des arpèges partout, mais on écoute.
Alors j'ai un peu le même souci, mais bon, je vous ai expliqué pourquoi à la fin. Hein. Mais je passe en revue un peu les différentes propositions que vous m'avez faites. Une autre encore. On est un peu dans la même gamme à chaque fois. Hein. Les arpégiateurs, quoi. Michel D. Je vous fais écouter pareil. DJ Pac et Pac, pardon. Alors, je continue parce que c'est un peu la même. J'ai eu un peu le même souci et je pense que j'ai trouvé pourquoi. Mais je vais vous expliquer après. François. Des petites notes. Hein. Voilà. J'avance. Gali. Refrain pour la 30e fois. Alors là, le contre-champ, je trouve que ça plombe vraiment, ça ralentit vraiment beaucoup trop le refrain. Justement, ça ne le fait pas démarrer comme on voudrait. Chris. Il n'en reste plus que deux, écoutez. Hein. On est un peu fleur bleue, quoi. Mais je comprends parce que tout est doux dans ce morceau. C'est un morceau cool. Et c'est difficile de faire un truc un peu plus masculin, vous voyez ce que je veux dire. Alors, j'ai gardé le, je ne vais pas dire le meilleur pour la fin, mais celui que je trouve le plus intéressant, c'est signé Arnaud Vessano, qui a mis de la guitare. Et vous allez voir, ça s'intègre, je trouve, le mieux, en tout cas, pour ce type de production. Got to believe me. Can't you see that I can't lie? I can't lie to you. To you. I'm only giving one more time with you. With you. So maybe let the lights go down tonight. Donc voilà, bon. Alors une fois que j'avais écouté tout ce que vous lui avez proposé, je me suis dit, mais pourquoi ils n'arrivent pas? Alors j'ai essayé et je n'y suis pas arrivé non plus parce que je pense qu'on est dans une grille qui est un petit peu fermée. Et on a beau rajouter plein de choses, je pense qu'on a du mal à faire décoller le refrain comme je pensais pouvoir le faire. Parce que, un, c'est chanté d'une façon très très bien, mais assez linéaire. Et puis, je pense que globalement, la tonalité choisie, en tout cas la grille choisie, ne permet pas une évolution assez importante dans le refrain. Donc, que faire? Soit on met tout à la poubelle, on recommence à zéro, soit on part dans des choses différentes en essayant de changer la grille. Alors donc, j'ai deux possibilités à vous proposer aujourd'hui. La première possibilité, c'est de changer la grille. C'est là qu'on se dit, on ne part pas sur ces accords-là et on prend une grille différente pour pouvoir avoir des accords différents dans le refrain. Alors ça, c'est work in progress et c'est ce que je vous donnerai la semaine prochaine parce que je ne suis pas content de ce que j'ai trouvé. Deuxième chose, on part sur un truc totalement différent où on n'utilise pas les voix comme les voix ont été chantées. C'est-à-dire qu'on ne garde pas cette structure couplet, pont, refrain, qui est une structure classique. Et ça, c'est ce qui permettrait peut-être de partir dans des choses un peu plus modernes. Et dans cette proposition, j'aimerais vous faire écouter quelque chose. Alors évidemment, vous allez comprendre que c'est work in progress. Mais voilà, je vais vous faire écouter. Donc alors, mettez-vous carrément dans un autre délire. Oh, 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 oh.
Très différent. Vous avez compris, ça n'a plus rien à voir avec la version précédente. On est parti dans un autre truc. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais revenir sur la précédente version et faire un truc hyper sobre. Je pense que je vais prendre la petite guitare de Arnaud. Je vais peut-être demander à Benoît qui me donne son arpégiateur. Je vais faire une petite sélection comme ça. Je vais vous envoyer un email en disant, tiens, envoie-moi tes éléments séparés. Et on va faire une version assez sobre, à la Lost Frequencies, vous voyez, quelque chose qui coule un peu. Et on va peut-être carrément essayer d'enlever même des éléments pour être encore plus minimaliste. Et voilà. Et de l'autre côté, on va essayer de faire... je vais essayer de travailler sur cette version-là, qui m'a été proposée aussi par Léo, ouais, Léo Ben Salem. Et, merci d'ailleurs. Et d'avancer sur ça. Et alors, on part carrément dans un titre un peu différent, un peu plus funky. Je vais essayer de gommer un peu le côté EDM que j'aime pas trop. On va essayer de garder dans un côté un peu funky quand même. Et donc, du coup, on aura deux versions. On aura une version radio et puis on aura une version un peu plus club, un peu plus différente. Mais j'ai du mal à grouper aujourd'hui les deux. Voilà. Si vous avez des idées, elles sont toujours les bienvenues. Les stems sont toujours dans la Dropbox. Vous pouvez toujours vous y frotter et proposer encore autre chose. Mais aujourd'hui, malgré une semaine de travail, je pense que vous avez bien travaillé, mais ça n'a pas donné le résultat que je pensais. Eh oui, les gars. Eh oui, malheureusement, je pense qu'il va falloir qu'on trouve une solution pour... peut-être qu'on pourrait mettre un peu de Cold Wave. Peut-être qu'on pourrait mixer ça avec Robert Smith ou The Cure ou Souci and the Banshees. C'est peut-être ça la solution. Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Voilà. Bah, bon, bref, vous avez compris. On va essayer d'avancer sur ce titre-là. On va aller prendre la température dans la soucoupe. Sur joachimgaro.com/live. Alors, voyons voir. Je vois qu'il y a des... Attends, il faut que je remonte ça là. Voilà. Je vois Bruno from Ibiza. Non, Ibiza, Lille en Espagne, tu veux dire? Alors, vas-y, ouvre ton micro. Habla espagnol? Bruno, il a disparu. Il a disparu. Il a voulu ouvrir son micro, il a disparu. Ah, le voilà. Ah, là, voilà. Attends, vas-y. Alors, vas-y. Bruno, ouvre ton micro. Ask to unmute. Voilà. Allô. Oui. Habla espagnol? Tu m'entends, c'est magnifique. Allô, espagnol, Bruno? Non. Claro que si, bien sûr. Ça va bien, tout le monde? Et qu'est-ce que t'es parti faire à Bruno? Qu'est-ce que t'es parti faire à Ibiza? C'est fermé cette année, hein. Y a rien. Bah, je sais. Mais justement, je voulais voir l'île en mode off, voir ce que ça donnait. Et c'est assez particulier. C'est assez particulier. Alors, c'est désert? Raconte un peu. Alors en direct, alors attention, les Space Invaders, en direct d'Ibiza, ouais. Le reportage avec Bruno, Space Invaders, comment ça se passe sur place? Alors, on va pas se mentir, tout ce qui est, alors pour ceux qui connaissent Ibiza, toute la partie Mbossa est morte, il ne se passe rien, tout est fermé, les bars, les restos, bien sûr les boîtes sont fermées, on le sait. Bien sûr. Donc il ne se passe rien, la ville est morte là-bas. Après, il y a quand même du monde sur l'île, il y a des touristes, il y a beaucoup d'Espagnols, pas l'anglais, pas l'allemand. Un peu chez eux, ouais. Quelques Français. Et vous faites quoi alors? Vous allez à la plage? Il n'y a que ça à faire. La plage de la journée, quelques restos qui sont ouverts dans certains spots. Là, je suis à Saint-Honoria, par exemple, ou à Saint-Antonis, qui est ouvert. Ça ferme à minuit, c'est fini, quoi. Minuit, une heure, tout est plié, tout le monde rentre chez soi. On te demande de passer en mode paysage. Bascule ton téléphone. Ah, attends. Comme ça, c'est mieux. Voilà, c'est mieux, ouais, c'est mieux. On te voit mieux. Ouais. Voilà. Et du coup, non, vie nocturne zéro, quoi. Il n'y a rien. Ouais. Bon, il y a des fêtes privées, je les cherche pas. Je pense qu'il y en a, mais je suis pas dans les petits papiers de l'île, donc je les cherche pas. Mais non, voilà, c'est très calme.
Mais c'est marrant parce que c'est, on voit l'île un petit peu. Bon, il y a un tiers des gens qui sont sur l'île, hein, il n'y a personne. C'est, ouais. Les plages sont hyper accessibles, on roule super bien sur l'île. Bon, bien sûr, il fait beau, il fait chaud. Ça, donc, tu veux dire que c'est plutôt agréable pour ceux qui veulent passer ceux qui veulent juste aller à la plage et bien manger, et manger un peu. Cool. Exactement. Et puis passer du bon temps quand même parce que ça chill complet. Quoi. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est pas le 8 bizarre qu'on connaît, quoi. C'est le 8 très très. Très off, on va dire. Ok. Mais ça rappelle peut-être certaines petites saveurs historiques d'Ibiza, quoi. Ouais, ouais. Bon, écoute, bon, on espère que on va pouvoir y retourner avec des grosses fêtes quand même. Ça manque. On espère aussi. Hein. Ouais. Mais bon, ça m'empêche pas de venir t'écouter un petit peu, tu vois. Bon, mais c'est bien. Je me connecte rapidement. Ouais, mais c'est bien. T'as bien fait. Regarde, en plus, t'es en direct live. C'est super. Ça fait vraiment reportage. C'est vraiment super. Tu sais quoi, on se croirait sur BFM Télé. Ouais. Ça fait ça. Montre-moi la rue vide. La rue vide. Regardez. Alors là, c'est une rue. Non, en même temps, c'est une rue vide, mais il n'y a pas de resto, il n'y a rien. Mais une petite un peu plus. Ah, il y a deux voitures. Il y a deux voitures. Ah non, mais. Mais après, il y a un peu de monde dehors. Hein. Alors, c'est masque partout, hein, obligatoire. Là, je suis un peu sans masque, donc c'est pas terrible, donc c'est pas un peu moins approché. Mais sinon, c'est masque obligatoire partout. On nous le rappelle à chaque coin de rue. Non, ils rigolent pas, les Espagnols, là-dessus. Ils rigolent pas. Bon, eh bien, écoute, je te souhaite une bonne soirée, voilà. Une bonne nuit à Ibiza. Tu rentres en France bientôt ou tu vas rester là-bas, du coup? À Tuitam Eternam. Je rentre dimanche. Non, je rentre dimanche, là. Okay. Je suis fait une grosse semaine et là, comme ça. D'accord. Eh bien, profite bien des derniers instants du soleil là-bas. Au plaisir. Salut Bruno. Au revoir. Salut. Ciao. Salut. Voilà. Eh, en direct live. C'est bien, comme ça on prend un peu des nouvelles. Tiens, je voulais vous montrer, je vois qu'il y a des nouveaux qui sont arrivés dans la soucoupe là. Soundtrack in the mix. Bouge pas, je viendrai t'interviewer tout à l'heure. Je voulais vous montrer un petit truc. Qui est un petit bout de vidéo avant que j'aille sur le mashup de Kool & the Gang, parce qu'on est un peu là aussi pour travailler. Il faut que je vous donne un peu des devoirs quand même. Hein. Là, j'avoue que sur le I Can't Lie, voilà, ça n'a pas été facile. Puis en plus, je n'ai pas eu beaucoup de temps parce que j'ai pas mal voyagé. Vous savez, la semaine dernière, j'étais en France, là, je suis aux États-Unis. Et puis, il a fallu que je prépare un petit peu la rentrée scolaire parce que voilà, j'ai des enfants. Et oui. Et j'ai aussi ma casquette de papa, comme vous d'ailleurs. Donc alors, je voulais vous montrer un petit extrait vidéo de Geister, du clip, vous savez, le flow de Michel, le clip qu'on a tourné avec le bus et les Good Vibes. Et il y a un plan que j'adore, qui est un plan de drone qui est centré sur une route. Et je crois que la route, elle fait 40 km, je crois. Et la route, elle fait 40 km tout droit dans le désert. Et on a décidé de poser, vous savez, le Fender, le Rhodes, au milieu, enfin de Rhodes 73, hein, 1973, au milieu et de jouer. Le truc, c'est que malgré qu'on soit dans le désert, il y avait quand même des voitures qui venaient toutes les 2-3 minutes. Alors c'était quand même l'enfer parce qu'on était au milieu de la route avec un truc qui fait 70 kilos quand même. Donc on était obligé de... on ne voulait pas se prendre une voiture de face. Remarquez ceci dit, ça aurait fait un joli clip. Mais donc voilà. Et donc du coup, je vous montre juste un petit bout d'une rush que je n'ai pas pu mettre dans le clip final, mais que je trouve vraiment très joli. Ça vous donne un peu des envies d'évasion, vous voyez. Et en plus, j'ai mis comme titre, bien évidemment, la version instrumentale du flow de Michel. On se regarde ça dure à peu près une minute. We'll be right back.
Alors, vous savez, le clip sortira bientôt, hein. Le clip est terminé. Et ça, c'était tiré du montage. Je remercie Charles qui pilotait le drone. Donc, on m'a demandé qu'est-ce que c'est comme drone. C'est le DJI, le Mavic Pro, pas le 2, hein. Mavic Pro 1. Et voilà, et vous avez vu un peu, c'est juste un lieu incroyable. Allez, on va faire un petit tour dans la piscine. On va faire un petit tour dans la piscine. voilà. Alors, on va aller dire bonjour à Soundtracks in the Mix, qui me paraît bien équipé. Alors, vas-y, ouvre ton micro. Voilà, le micro est ouvert. À toi. Tu m'entends? Ah, je ne t'entends pas. Alors, tu as un beau micro, mais je ne t'entends pas. Ah non, je ne t'entends pas. Non. Ah, et là, ah oui, là c'est mieux. Il fallait brancher le micro. Il fallait brancher le micro. C'est mieux. Tu es où? Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis sur Lyon. Lyon. Très bien. Et qu'est-ce que tu fais avec un casque comme ça là? Tu fais du télétravail, du télé-shopping? Non. En fait, mon vrai nom c'est Olivier là. C'est sur Olivier Gagnon que je... C'est toi qui m'a proposé les sons là. Je t'ai dit bon, l'arpège, faire un peu plus. Oui, c'était pas terrible les notes. Hein. Tu m'en veux pas d'avoir dit les choses. J'ai fait ça un peu vite tout à l'heure. Enfin hier, je veux dire. Oui, j'ai remarqué. Mais t'as vu, j'ai quand même pris le temps d'écouter. Mais c'était pas évident, comme tu disais. J'utilise aussi beaucoup Captain Plugin. Oui, ça marche bien ça. Et du coup, j'arrivais pas à trouver quelque chose. Quoi. Impossible. J'ai tout fait, toute la liste des. t'as fait toutes les tonalités, voilà. Bon, écoute, en tout cas, c'est sympa d'avoir participé. Et puis que je. Alors, bon, par contre, maintenant, arrête de polluer ma Dropbox, mets-moi que des trucs qui sont justes, hein, parce que sinon, ça va mal aller. Hein. Non, je rigole. Ok, pas de problème. Non, je rigole. Bon, bah écoute, on va essayer de trouver. En tout cas, on est bloqué un peu sur ce remix. Enfin, on va essayer de trouver une solution pour finir ensemble. Bon, tu as aimé le début de l'émission avec RLP? Est-ce que tu étais là au début? Oui. Ouais. C'est cool quand même. Ouais. Attention, parce que tu sais que la semaine prochaine, c'est Yvan Cassard, donc chef d'orchestre et tout. Il va falloir faire très attention à la tonalité parce que lui, il rigole pas du tout. Ah, c'est pas pareil. Je suis pas musicien à la base, alors. Voilà. C'est à l'oreille, moi. Donc, la semaine prochaine, fais attention. Me propose pas des trucs comme ça parce que sinon, Yvan Cassard, il va te mettre un coup de baguette. Tu vois. Bon, allez, je te remercie et puis bienvenue dans la soucoupe. Hein. À plus Merci. Tard. Salut. Salut Olivier. Bien, il est temps de revenir sur la session live et vous parler de Cool and the Gang. Vous savez, le mashup. Hein. Alors le mashup, on en est où? Ah oui, pour ceux qui me disent comment vous avez fait, est-ce que c'est un synthé sur batterie sur la route? Non. Voyons, un Fender Rhodes, c'est comme un vrai piano. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Vous pouvez jouer comme ça, il n'y a pas besoin de l'alimenter. C'est comme un piano. Un piano, vous n'êtes pas obligé de le brancher. Là, vous pouvez le brancher si vous voulez l'enregistrer. Mais vous pouvez jouer et ça sort quand même un son. Pas très fort parce qu'il faut l'amplifier après, mais globalement, le Fender Rhodes, c'est pour ça que ça pèse aussi lourd. C'est que vous avez tout à l'intérieur, tous les mécanismes, le mécanisme d'un piano. Voilà. Alors, Cool and the Gang, on en est où? Alors, Cool and the Gang, vous savez, la semaine dernière, j'ai fait une espèce de brouillon et je vous ai dit, reprenez les éléments. Alors, j'ai eu pas mal de gens qui m'ont proposé des choses, mais on tournait un peu tout en rond. Et au final, donc du coup, là, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai fait une structure où j'ai simplifié à mort. Quand j'ai dit simplifié, il y a pied, hi-hat, clap, donc au niveau rythmique. Si déjà je mets en solo la rythmique, vous allez voir que c'est plutôt basique. Il y a... Voilà, on ne peut pas faire plus basique. Hein. J'ai rajouté une basse qui fait juste une note. On ne peut pas faire plus simple. Et j'ai réduit le nombre de samples de Cool and the Gang à 4 avec des filtres assez sobres. Tout ça pour avoir un résultat qui, à mon avis, va vous permettre de finir le remix. On va finir ce mashup. Je veux que ça soit fini pour la semaine prochaine, ok? Alors, je vous fais écouter où on en est, tel quel.
deuxième partie. Partie A. Et partie C. Donc on a trois parties, on a A, B et C. C'est simple. Et maintenant, on va pouvoir mixer et faire que ça sonne bien. Parce que là, vous voyez, ça sonne un peu brouillon. Hein. Et puis, il n'y a pas assez d'évolution, parce que pour l'instant, j'ai fait quelque chose de droit. Mais ça tourne. Ouais, ça tourne. On a trois gimmicks. On a donc une partie 1 qui fait ça. Une partie 2 qui fait ça. Et une partie 3 qui fait ça. Voilà. Donc, on a trois parties. Maintenant, il faut finir ça. Il faut finir ce remix avec ces trois parties. On ne rajoute pas une quatrième partie. L'idée, c'est de faire un truc DJ qui fasse danser, un peu à la Mercer, vous voyez, un peu, donc avec des filtres ou avec des choses un peu évolutives. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à travailler en système de boucle. C'est-à-dire qu'on va prendre, par exemple, c'est de la partie A, là, ici. Voilà. Et donc... Et par exemple, jouer par exemple sur la release, l'ouverture de la hi-hat, par exemple, je vous fais écouter. Court et long. Voilà, c'est le genre de choses. C'est des choses simples, mais qui vont faire évoluer et qui feront que le fait, ça ne sera pas répétitif parce qu'il faut faire une évolution. Là, ce que je vous ai fait écouter, effectivement, c'est répétitif parce que c'est tout le temps la même chose. Mais c'est maintenant à vous de faire évoluer ça. Vous voyez ? Hein, je vous donne un peu de devoir. Donc c'est assez simple parce qu'il y a très peu d'éléments. Je répète, il y a un pied, une hi-hat qui est une hi-hat ouverte, je n'ai même pas mis de fermée pour l'instant, un clap qui peut être augmenté, qui peut être mieux je pense. Vous avez les samples de Colin Egan qui sont donc celui-ci, le deuxième, celui-ci. Voilà, et puis le troisième qui est parallélaire, celui-ci. Qui est celui-ci, voilà. En dessous, Joachim, en dessous. Voilà, donc maintenant, c'est à vous de construire le morceau. Vous avez deux choses à faire. Construire, c'est-à-dire que vous avez trois parties qu'il va falloir orienter en disant quand est-ce qu'on va dans le parallélaire et comment on fait pour en ressortir. Voilà, comme on fait. Hein. Et la deuxième chose, c'est faire des évolutions. C'est-à-dire, pour faire un truc qui fasse 4-5 minutes, qui fasse danser et où on ne s'ennuie pas, il faut qu'il y ait une évolution, même au sein des parties. Donc, alors, soit du filtre, soit rajouter une hachage par-dessus, soit une boucle de percu. J'ai fait un truc sobre, mais qui vous donne un squelette, ce qu'on appelle un squelette de remix. Donc, voilà. Donc, je bounce tout ça. Je vais bouncer ça en piste séparée. Voilà. Alors, pareil, je vous ai mis des sons témoins, parce que, par exemple, la basse, là, qui est ici, je pense qu'on peut trouver mieux que le son actuel. Mais je vous l'ai mis en témoin, je dirais. Comme j'ai mis un petit son ici, que j'appelais acide. Pareil, qui peut être modifié. Hein. Et ce dont j'ai besoin, c'est que vous me fassiez un MP3. Voilà. Vous m'envoyez ça avant jeudi prochain, dans la Dropbox, en mettant votre nom, votre prénom, enfin en mettant votre adresse email pour que je puisse vous communiquer avec vous. Et vous faites un truc qui fasse 3-4 minutes. Voilà, un peu à la Mercer, un peu... Attendez, il y a un titre que j'ai entendu là récemment qui peut vous donner peut-être une idée. Attendez, il faut que je le retrouve.
Je dois le retrouver. C'est un. Attendez, comment ça s'appelle? C'est un truc funk à mort. C'est pas Oversize. Attendez, je cherche. Hein. Je cherche dans. Je regarde. Là, c'est des nouveautés que j'ai. Ah, c'est dans qui? Non, c'est pas ça. C'est pas celui-ci. House Freak. Non. Non. Là, c'est des nouveautés. Ah, c'est Party Time. Non. Bon, je vais retrouver ça, je vais vous le mettre dans la Dropbox, qui était il y avait un sample vraiment très, très similaire à un peu à du Colin the Gang. Ça tournait en boucle et c'était assez bien fait et le son était assez bien. Bon, par contre, j'ai pas retrouvé le titre, je ne sais pas lequel c'est, je suis désolé. Bon, ok, je bounce tout de suite donc ça, en piste séparée. Donc, je regarde si les noms sont bien, BDOA, HH, Clap, il y aura un groupe musique. Qui vous aurez Acid, Ladies 1 jusqu'à hop, et le bass. Voilà, il n'y a pas de bass et il n'y a pas de reverb et pas de delay. Je peux enlever ces pistes là et je vous fais un bounce dans la Dropbox directement de ça, Pomme Shift R, et je fais ça en piste séparée, individual track, et je vous mets ça en wave et en MP3 pour ceux qui veulent. Et je vous mets ça directement dans la zone pour télécharger, dans la download section. Je vous fais un petit folder qui est Cool and the Gang Mashup. C'est le 3S. Mashup Stems. Voilà. Ok. Ah, j'ai fait une faute d'orthographe. Bon, c'est pas grave. Je lance l'export et je ferai la synchro plus tard. Voilà, vous aurez ça tout à l'heure. Ok, donc vous êtes bon, on a un peu avancé sur ça, c'est compliqué, hein, puisqu'on est un peu sérieux, c'est vrai, c'est ce que dites, un peu sérieux. Oui, on est un peu sérieux, il faut un peu travailler quand même, c'est vrai. Bon, après, vous savez que je suis toujours à même de faire des bêtises et en plus de faire intervenir des gens séparés comme le rappeur, par exemple, et on va faire du hip-hop maintenant, c'est beaucoup mieux quand même, mais bon. Ça va, je suis sérieux. Alors, on va faire un petit tour dans la soucoupe, rapidement, pendant que c'est en train d'exporter. Je regarde si tout va bien ici. Est-ce que vous êtes prêts à faire un tour de soucoupe? Are you ready? Toujours prêt. Alors, oh là, il y a du monde là. Ça y est, ça arrive en fin d'émission là. Maintenant, c'est la fin. Alors, que je regarde où on en est dans cette Zoom session. Oh là, Radio 7, énorme. Il y a des tas de Franck qui a retrouvé des autocollants de Radio 7. Je n'y crois pas. Ça, c'était bien. Ça allait bien avec l'invité d'aujourd'hui. Hein. Tiens, on va aller dire bonjour à Ulrich Van Bell Perso. Vas-y, ouvre ton micro. Ask to unmute. Voilà. Dis-moi, avec un prénom et un nom comme ça, tu es où? Au Canada, à Montréal. Au Canada, à Montréal, comme notre invité était issu du Canada. Tu sais que RLP, qui était l'invité de l'émission, est né à Montréal. Tu es donc... Je l'ai manqué, ouais. Je suis arrivé et puis tu étais en train de discuter de ton mash-up Cool and the Gang. Ah oui, bah t'arrives à la fin de l'émission, t'as loupé les trois quarts. Bon, c'est pas grave, tu pourras la regarder en replay. Comment ça se passe à Montréal? Ben j'ai pas loupé le mec qui était à Ibiza, donc c'est un peu pareil. Ici, si on rentre dans des commerces, il faut avoir un masque, mais à l'extérieur, c'est pas le cas. D'accord. Bon, de toute façon, la situation concernant la musique, les concerts et tout ça, elle est mondiale. Il n'y a pas de lieu où on va aller dans des salles de spectacle à Montréal. Et Dieu sait que ça, tu sais qu'à Montréal, moi, j'ai une salle que j'adore qui est le New City Gaz. Est-ce que tu vois où c'est?
Oui, oui, tout à fait, oui. Magique. C'est tout, tout est fermé. Le stéréo aussi, l'after hour, ouais. Le circus, tout est fermé. C'est clair. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Producteur. Producteur de musique? Producteur de musique électronique, oui. Ah, génial. Bon, on dit, tu vois, on dit, on adore ton accent déjà. Bah oui, c'est, quand même. Tu sais, ce petit truc-là, Montréal, ça me rappelle mon pote québécois, Marco Grenier, quand on parle. Donc oui, tu es producteur de musique électronique, et donc à Montréal. Et quel style de musique? Techno. Ah ouais, d'accord, ok. Et tu sors techno, sur quel type de label? J'ai 4 labels à moi. Ah, t'as tes propres labels. Bah ouais, au moins comme ça, t'es bien fourni. Ah bah tiens, si vous faites de la techno, vous voulez sortir à Montréal, envoyez un petit mail à notre ami. Voilà. T'as une adresse internet ou quelque chose où on peut aller écouter ton label? Vas-y, fais de la pub. Oui, absolument, oui. On pourra pas me censurer, donc c'est Born to Porn Records. Born to Porn Records, en un seul mot? Oui, en un seul mot. D'accord. Et puis, Black Therapy qui va ouvrir ses portes. Donc, tout a été envoyé chez le distributeur. Ça va commencer dès septembre. D'accord, super. Et tu travailles sur quelle station? Ableton, Logic. D'accord. Et puis là, je commence avec Luna. Avec Luna, la nouvelle plateforme de l'UAD, de Universal Audio. En effet. Oui, pour le mastering, oui. D'accord. Tu sais que dans les invités, on a eu, comment il s'appelle, la personne de Universal Audio qui est venue dans l'émission, mon Dieu, je ne connais que lui, le français, Joachim, quelle horreur, j'ai oublié le nom de mon invité. Enfin bon, on a eu une personne d'Universal Audio, ça va revenir, je vais retrouver, qui était venue justement nous présenter un peu les nouveautés de Luna, et justement je lui avais posé la question de savoir qu'est-ce que ça apportait. Donc toi, tu trouves que sur le mastering, c'est chouette, parce que tu as du hardware UAD, c'est ça? Oui, moi je suis équipé, c'est parce que tu ne peux pas tout le voir, là, mais ouais, j'ai du Access Virus, j'ai du Moog, j'ai un peu de tout, j'ai aussi du Korg. Et puis hier, j'étais me chercher la nouvelle platine XDJ-XZ de Pioneer. Donc, ah, tu veux dire celle qui est ici, là, qui est à ma droite. Magnifique. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que je vais mettre un temps à m'habituer, mais bon, pour le studio, je crois que c'est une bonne chose. Elle est magnifique. Non, mais tu sais que c'est très, très bien, d'abord, c'est très compact. T'as deux lecteurs. Enfin, au total, tu peux faire 4 lecteurs, mais objectivement, c'est très pratique pour 2 lecteurs. Et puis, la table de mixage est vraiment très, très, très bien. Et franchement, je trouve que c'est une très, très bonne acquisition. Tiens, je devrais peut-être faire d'ailleurs un petit tutoriel la prochaine fois sur ce genre de machine. On m'a demandé de faire un tutoriel sur le DJM-1000. Je ferai ça, je pense, dans 2 semaines. Est-ce que, remarque, on peut peut-être essayer de se faire un petit live en direct de Montréal avec la XDJ-XZ. Pourquoi pas, t'es le bienvenu quand tu veux. Bah oui. Oh ben, écoute, je serai à New York la semaine prochaine, donc je serai pas très très loin de chez toi, tu vois. On sera. Ouais, les frontières sont fermées par contre du Canada aux États-Unis. Ouais, je me doute. Non, mais en plus, je pense que c'est impossible aujourd'hui de voyager entre effectivement Canada et États-Unis parce qu'effectivement les frontières sont fermées dans les deux sens, hein, si je me trompe pas. Alors, je veux absolument retrouver le nom de mon invité et je le cherche en ce moment. Parce que c'est la honte de ne pas... Fab Dupont, voilà, Fabrice Dupont. Fabulous Fab, ben oui, bien sûr. Et donc, il était venu me présenter le service Luna. Bon, tu as l'occasion de voyager de temps en temps, de par ton métier? Ah ben oui, j'étais joué en France, j'étais joué en Égypte, j'étais joué un peu partout, oui. Super, ben, c'est super, ouais. c'est génial. Écoute, je suis content de... On m'en allait jouer en Amérique centrale, mais là, bon, tout est arrivé et tout... Oui. Parti en brille. Pour l'instant, tout est gelé. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et puis l'hiver va arriver à Montréal. Et au niveau du gel, vous savez ce que c'est. Hein, parce que quand la neige va arriver, là, je pense que vous allez prendre sévère encore. Hein, avec les deux mètres de neige, là, je vais te dire. j'ai des potes qui arrivent et qui débarquent. Ils font juste se pointer le bout du nez en dehors de l'avion. Et puis, ils disent non, on retourne à Paris.
Non, c'est un truc de dingue, Montréal. Enfin, en tout cas, le Canada. Moi, j'ai des souvenirs d'une tournée que j'ai fait au Canada qui commençait par Montréal. Après, c'était Edmonton. Après, c'était Toronto. C'était organisé n'importe comment, ces tournées. J'arrêtais pas de faire des Est-Ouest. J'étais non. épuisé. Et je me rappelle ouais. de température à moins 30 degrés. Waouh ouais. Ça va piquer. Oui, je prends des photos de temps en temps et j'envoie à un de mes potes qui demeure sur la côte d'Azur l'hiver, il fait moins 30, tu sais. Puis je dis, mais voilà la température de ce matin. Ah oui, c'est sûr. Bon, bah, en tout cas, je suis content que tu aies rejoint la soucoupe, n'hésite pas. On se donne rendez-vous, tu sais, toutes les semaines, c'est le jeudi. Donc, alors pour toi, c'est 3 heures de plus, donc c'est à 15 heures, de 15 heures à... c'est ça? Oui, ben présentement, il est 16h54. Voilà, donc, c'est ça. Ok, on a 3 heures de différence. Voilà. Ok. Toi, tu es où présentement? Non, moi, je suis à Los Angeles, donc okay. Moi, il est 2 heures de l'après-midi, et toi, il est 4 heures, c'est ça? Bon, mais t'as encore du temps pour profiter du soleil. Ah oui, bah oui, moi je suis le dernier à me coucher, tu vois. Voilà. Et puis, la majorité des gens qui regardent l'émission, ils sont en France, donc pour eux, tu vois, il est 22h, il est 23h. C'est bientôt la fin de l'émission, d'ailleurs, dans 6 minutes, tu vois. Ben oui, passe le bonjour à tout le monde qui nous regarde. Eh ben, je te remercie énormément de nous avoir apporté ta collaboration, et puis on va aller voir ce label-là, donc Born to Porn Records, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci. Très bien. On va aller voir. Je vais aller voir ce que ça donne, que j'écoute un petit peu ce que ça donne, un peu, voir un peu la... Oui, c'est hard techno un peu, mais c'est bon. Oui, mais moi, j'aime bien quand c'est bon. Bon, bah, écoute, je te remercie énormément. Et puis, en plus, du coup, tiens, bah, tu vas clôturer cette session Zoom. Voilà, je vais faire ça. Je te remercie. Et puis, donc, Ulrich Van Bell, je te donne rendez-vous très bientôt dans la soucoupe, OK? Ok, bien sûr. À plus. Ciao, salut. Ah, c'est cool parce qu'aujourd'hui, on a plutôt pas mal voyagé entre Ibiza et Montréal. On s'est fait quand même des écarts. C'était plutôt sympa. Bon, tous les gens dans la soucoupe, je vous fais un grand au revoir. Je ne vais pas faire une émission très très longue ce soir parce qu'il faut que je prépare certaines choses. Tous ceux que je n'ai pas réussi à interviewer dans la soucoupe, revenez jeudi prochain. Jeudi prochain, vous savez, c'est Yvan Cassard qui va donner le « la ». Et qui va nous donner un peu des... qui va nous éclairer sur une façon de faire de la musique un peu plus traditionnelle, je dirais. Mais alors, ce qui est marrant, je vous le dis comme ça, entre nous, quand je l'ai eu au téléphone là, pour valider le fait qu'il était disponible pour faire l'interview, je lui dis, bon, il me dit, alors, qui c'est qui regarde ton émission? Alors, je dis, bah, tu sais, c'est des gens qui font de la musique, des passionnés. On a des gens qui font des plugins. Par exemple, on a eu le chef de produit de Live Ableton, qui a un logiciel pour faire de la musique. Il dit, attends, me prends pas pour un vieux. Je sais ce que c'est, Live Ableton. Bon, je l'utilise pas pour écrire de la musique, mais je sais ce que c'est. Donc, je pense que ça va être sympa, cette émission. En tout cas, préparez vos questions. Regardez un peu tout ce qu'a fait Yvan Cassard, ça va de la musique de film aux arrangements un peu plus traditionnels. Et on se retrouvera donc jeudi prochain avec Yvan Cassard. D'ici là, vous avez du travail puisque je vous ai laissé le Cool and the Gang, le mashup à terminer. Et puis on va essayer aussi d'avancer sur le remix. La semaine prochaine, je serai en direct de New York et je ferai donc l'émission avec Yvan Cassard. Et voilà, je serai dans un studio qu'on est en train de fabriquer à New York. Et donc, je vais trouver un petit coin pour poser mon laptop et puis on fera l'émission. À partir du moment où il y a une bonne connexion Internet, peut-être qu'on n'aura pas tout ce matériel autour de moi, mais en tout cas, on sera dans une configuration qui sera sympa. Est-ce que j'ai diffusé tout ce que je voulais vous montrer? Non, tiens, je vous ai pas mis un petit coup de Daniel. Un petit coup de Daniel quand même, avant de partir quand même. Hein, Daniel! 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 Ah, donc, démonstration. Vous vous mettez debout, d'abord, debout. Après, vous regardez le plus loin possible en pointant du doigt. Vous faites comme ça en disant, mais c'est pas Daniel là-bas. Et vous poussez un petit cri de Daniel comme ça. Daniel! Daniel! Voilà. Et donc, bon, ben. Et vous finissez par la phrase qui est « Ah ben non, c'est pas lui. » Voilà. Alors n'hésitez pas à poster vos Daniels. Je ne le connais pas. N'hésitez pas à poster vos Daniels. Je compte sur vous.
Alors, je vous rappelle quelques bonus. Par exemple, si vous faites sursauter quelqu'un parce que vous êtes très proche, si vous êtes très proche de la personne, alors vous pouvez faire. Si jamais vous avez vraiment un Daniel qui se retourne, alors là, vous gagnez 2 points. Quelqu'un qui sursaute, c'est 2 points. Et sinon, il faut estimer le nombre de gens qui se retournent. Donc là, j'ai fait un bon petit score, un bon petit 40 points, je pense. Un petit 40. Donc ben voilà, à vous de jouer. Et je vous souhaite de très bonnes vacances avec le jeu du Daniel. Tiens, c'est pas Daniel là-bas, là, plutôt? Bon, je sais qu'en ce moment, c'est pas facile de faire des Daniels, mais ça reviendra. Hein, ça reviendra avec les concerts, les spectacles, les festivals, Electric Park déplacés donc en septembre 2021. Je remercie tous ceux qui ont participé à la cagnotte et tous ceux qui gardent leurs billets pour 2021. Merci de me filer un coup de main sur ça. Ça me fait très plaisir. Vous avez chaud, non? Un petit coup de CO2? Now, we know the truth. Space Invaders are back. Voilà, les Space Invaders are back. Je suis très content d'avoir présenté cette émission 65. Je suis très content d'avoir eu RLP. Et c'est toujours un plaisir d'avoir des gens aussi passionnés qui viennent parler de leur métier et qui viennent donner un peu d'espoir pour tous ceux qui sont un peu dans une situation très complexe. Et une nouvelle fois, cette émission est pour vous. Et j'aimerais avoir une pensée pour un ami qui s'appelle Franck de Coudin. Franck de Coudin est quelqu'un qui a travaillé en maison de disques, DJ, qui travaille aussi plus récemment depuis quelques temps à la SACEM, et qui est un très bon ami. Et j'ai appris malheureusement qu'il avait été touché par ce satané virus et qu'il avait fait une tétraplégie et que, voilà, que ça ne se passait pas très très bien pour lui. Donc voilà, je voulais lui dédier cette émission pour toi, Franck. Cette émission est pour toi. Je pense à toi et courage pour t'en sortir. Et puis pour tous les autres, même si le virus est même si le virus fait moins de morts statistiquement, il est toujours présent. Alors faites attention parce que ça ne touche pas que les personnes âgées. Ça peut aussi toucher des gens de différentes tranches. Excusez-moi, je suis un peu ému parce que parler de Franck comme ça. Voilà. Fais-tu un petit cœur, ouais, fais quelque chose comme ça. Voilà. Et on a parlé de Fred Risser tout à l'heure durant l'émission. Heureusement, on pourra toujours se mettre en alien. Alors, j'ai pas eu le temps de changer la voix, alors donc vous aurez la même voix, mais ça permettra de finir l'émission sur une note extraterrestre. Alors, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On se retrouve jeudi prochain. Peut-être avant, si j'ai le temps d'installer un petit setup à New York pour pouvoir faire un live avec les machines. Ça dépend de ce qu'il va y avoir au studio. Je vais découvrir ça. Peut-être qu'on fera une petite improvisation. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre participation. Rendez-vous donc la semaine prochaine, vous savez, avec Yvan Cassard. Ça, c'est un vrai extraterrestre. Un vrai extraterrestre. Et on se retrouve donc jeudi à 21h. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Game over, c'est tout. Hein. Ciao, à la semaine prochaine. Thanks to all humans, aliens, space invaders, and other creatures coming on board tonight. The captain, Joaquin Guerrero, hopes you had a safe 3D trip with us, and we hope to see you soon in the spaceship again. 5, 4, 3, 2, 1. Game over. Game over. Game over.